Allez, l'intrigue géopolitique, vraiment en deux mots. Donc, je vous rappelle que nous sommes missionnés par le seigneur qui est le chef d'une bourgade locale afin d'annexer le territoire du baron et aussi de ramener ses deux filles du baron en mariage au seigneur parce que le baron est de lignée divine. Sauf que ça se passe pas du tout comme prévu. Les aventuriers Tina, Ishazi et Peter se rendent à Chastepré, hein, la destination d'où devait se faire, et rien ne se passe comme prévu. L'équipe se fait matraquer la face. Le baron, il est vampirisé. Il y a le bourgmestre qui est un cultiste de site qui nous a mis dans le mal. On décide de rentrer prévenir le seigneur qui nous renvoie illico presto mettre fin à la menace vampire et lui ramener ce cultiste. Plusieurs combats s'enchaînent, hein, notre retour à Chastepré, ça se passait bien, Tina a failli mourir d'une flèche, mais on s'en est sorti. On se dirige au final vers le manoir en s'arrêtant vers le temple. Peter vérifie quelque chose dans ce temple-là, il y a des loups ailés qui les attaquent, le combat se passe très mal, le MJ est déchaîné, il enchaîne les succès, on se fait laminer. Tina et Peter tombent, Ishazi gère les loups qui restent, mais ses amis vont bientôt mourir. Tout semble perdu, le combat aussi, et là, le baron vampire surgit, personne ne s'y attendait. Pire encore, il épargne nos amis sans prendre une petite taxe sanguine au passage sur Tina qui la ressuscite aussi. Ishazi a donné sa parole, donc il n'attaquera pas, et Peter par le était plutôt mal pour faire autre chose, mais il nous avons appris plusieurs choses. Hein, donc, ce vampire a décidé de vampire de par lui-même, hein, le barreau, pour échapper à ce que lui considère comme une malédiction qui lui est offerte par Almor, hein, donc le dieu des loups. Apparemment, le barreau a été pris de lycanthropie avant, il a décidé de se débarrasser de ça en devenant vampire. Un bien pour un mal, nous ne saurons pas. L'équipe dans le mal décide d'aller se reposer dans le manoir. Au réveil, petite surprise, Peter et Ishazi, eux aussi, découvrent une petite morsure, hein, ce qui les lie aux vampires, comme Tina, quelque part. On vous rappelle que si vous êtes mordu 3 nuits de suite par un vampire, vous entamez le processus de vampirisation. Donc, premier strike pour chacun d'entre nous. Bon, après s'être reposée, l'équipe se revigore. Elle va visiter quand même rapidement les cryptes. Dans les cryptes, des chauves-souris. Et des chauves-souris plus grosses que les autres, peut-être les vampires, mais le lion noir de Tina, probablement dirigé par Rogar, l'empresse à diriger l'équipe vers la forêt au nord du domaine du baron. L'équipe se rend là-bas, traverse les bois, forêts. Et arrive devant ce qui s'apparente à un genre de cul-de-sac, une falaise, que Ishazi grimpe, Peter finit par grimper aussi. Tina prend en charge les lions et les chevaux et fait le tour par la forêt. Par contre, la malheureuse Tina, pensant que le lion lui guidait encore ses pas, en fait, était juste en train de la devancer et s'égare dans la forêt et tombe sur un joyeux nid d'araignées fraîchement pondu. Heureusement, Tina fait enfin des vrais jets de dés et a réussi à s'en tirer et à ne pas mourir. Peter et Ishazi découvrent en fait une vieille femme, surprenamment plutôt élégante, qui vit dans une cabane, elle a l'air d'être de passage. Et elle est même probablement de passage. Cette femme semble connaître tout sur tout. En tout cas, tout ce qui a à faire au destin, elle semble incollable. Vous pouvez lui poser les questions que vous voudrez. Elle répondra ce que vous avez fait et ce que vous pensez faire. Cette femme nous interroge en fait dans notre subconscient pour savoir si nous avions toujours confiance en nous, si nous savons qui nous sommes. Et en fait, la conclusion de ça est de savoir que nous sommes qui nous sommes et nous travaillons pour le Seigneur et nous devons absolument nous dégager de l'emprise du vampire. Pour ça, elle nous invite à rester 3 nuits consécutives parmi elles afin que le baron ne puisse plus avoir d'emprise envers nous. Par contre, en attendant, cette femme nous dirige vers l'ancienne prêtresse d'Almor qui se réfugiait dans une grotte.
Elle semble se laisser mourir, on ne sait pas trop pourquoi. En nous voyant, elle semble relativement ravie. Tina a réussi à la revigorer un peu grâce à ses dons divins, mais ça ne suffira pas pour la mettre sur pied. Il nous faut un prêtre de Galana, mais cette prêtresse ne peut plus bouger. Ses jours sont comptés. L'équipe est tiraillée. Rester 3 jours ici pour se débarrasser de l'emprise du vampire. Ou partir sur le champ chercher un prêtre de Galana. Les prêtres de Galana sont trop loin, mais un ermite se cacherait pas si loin que ça des territoires du baron et pourrait agir à peu près de la même façon qu'un prêtre de Galana. L'équipe choisit, elle ne sait pas quoi faire, et c'est là que nous sommes laissés. Bravo! Bravo! On applaudit tous, mais vu que ça marche pas avec le micro, Y a pas de mais bruit. sachez qu'il y a applaudissements pour l'équipe de Résumé La Man. folie dans le public, effectivement. Ouais, on entend. Applaudir comme langue des signes, tu fais ça. Bravo! Voilà, bah c'est voilà, tout le monde fait ça chez. Ah mais la foule, on la voit pas, je l'ai pas mis. Mis que sur le carafen, terrible. Ah, je rajoute des trucs. Et ouais, super résumé. Et puis, alors je sais pas si Paraf a des trucs à redire sur ce magnifique résumé ou pas. Absolument pas, c'était splendide. Voilà. Du coup, tu ramènes à l'équipe 100 XP en plus, merci. Ah, l'XP résumé, ah, c'est cool, Ouais, ouais. merci. Bon, après, vu que tu m'as un peu taclé, du coup, tu auras un peu moins d'XP que les autres, mais c'est pas mal quand même. Rétablit certaines vérités. Ouais, non. Vision des choses n'est pas prêt. Voilà. Peut-être, mais c'est partagé. Et l'équipe, hein. Sacrée équipe, hein. C'est vrai que c'est un peu honteux, mais bon. Vous étiez en chemin. Oui. Bah, du Vous étiez en coup. chemin vers votre destination sans trop savoir exactement où c'est. Vous étiez censé repasser éventuellement par le temple ou le manoir. Je ne sais Ouais, plus pour trop. le manoir. Manoir, il me Oui. semble. Ouais. Manoir. Et pourquoi, je ne sais plus. Des armes en L'argent. argent. Ouais. Ah oui, des armes en Argent. argent. Bien maintenant que vous êtes sous la protection de cette espèce de prophétesse comme ça, une magicienne du destin, maintenant que vous êtes sous sa protection, vous ne vous ferez plus embêter par des créatures dans la forêt. En tout cas, pas pour le retour. C'est ça. C'est ça. Le trajet va être rapide et sans danger. En effet, dans les régions que vous parcourez, pour le moment, il n'y a pas de grands déplacements. C'est pas très peuplé, donc c'est plutôt tranquille. Il n'y a pas de risque de se faire attaquer par des bandits ou de tomber sur un champ de bataille. Non, non, c'est plutôt dans le nord que ça pourrait se passer pour le moment. Et oui, effectivement, parce que dans le résumé, ça n'y était pas, mais cette vieille dame a missionné, enfin, a réussi à contacter des elfes qui sont sur le sentier de la guerre. J'ai oublié de mentionner cet élément fort important. Ouais. Mais je ne faisais même pas allusion à ça, mais oui. Ça, vous allez le voir de toute façon. Que les elfes, effectivement, ont été appelés. Les elfes des montagnes, vous n'êtes pas loin des montagnes. La baronnie est au pied des montagnes. Quelque part après la forêt qui descend elle-même de ces montagnes. Et les elfes donc, qui peuplent la majeure partie des montagnes des environs ont été appelés par votre hôte pour gérer la situation que vous avez laissée s'envenimer, savoir la prolifération de créatures maléfiques telles que des vampires, éventuellement des ghouls, peut-être même des fantômes et autre chose, car vous en avez vu une, deux,
3, 4, 5, si je ne m'abuse, si je compte le majordome mort-vivant. Qui sait s'il n'y en a pas d'autres ? Vous avez aussi découvert une créature hybride concoctée par le bourgmestre, ce fameux cultiste de Sith. Qui sait s'il n'y a pas d'autres cultistes dans le village ? Maintenant qu'il a brûlé, bon... Peut-être que l'ensemble du culte est à refaire. Peut-être que ça joue en leur faveur, peut-être... Vous ne savez pas exactement ce que vous avez déclenché. Et puis il y a les autres villages aussi. Les autres villages autour de Chastepré que vous n'avez pas explorés. Toujours est-il que les elfes vont faire ce qu'ils ont à faire, à savoir... normalement, d'après ce que vous avez compris, ils sont censés venir... pacifier la région. Après, est-ce qu'ils vont l'annexer à leur compte ? C'est une possibilité. Mais ce n'est pas une obligation. Alors, le retour se passe bien, et si je ne m'abuse, vous en aviez eu pour moins d'une demi-journée, non, aller là-bas, je ne sais plus, par rapport au manoir. Manoir forêt, ouais, à peu près. Ouais, non ? Ouais, moi, ouais. Et là, vous étiez parti sans attendre, hein, si je me souviens bien. Ouais. Donc, en toute logique, la nuit devait tomber à peu près quand vous arriviez au manoir. Ou voir, elle était peut-être déjà tombée. Je l'aurais mise plus tard, mais pas beaucoup plus tard. Plus tard ? Ouais. Genre, fin d'après-midi. Une heure avant touche. Ouais. Quoi après ? Après ou avant, finalement ? En fin d'après-midi. Fin d'après-midi. Après, vous arrivez en fin d'après-midi, d'accord. Bien, bah vous êtes au manoir que vous connaissez, vous êtes dans la propriété, vous pouvez rejoindre, donc aller à l'essentiel, rejoindre le salon et vous emparer de l'argenterie, si c'est ça votre but. Bah du coup, ouais, on va checker toutes d'armes en argent qu'il peut y avoir. Bien, alors, ce que vous trouvez, ce sont soit des fourchettes, soit des couteaux. Vous pouvez aussi prendre des cuillères, mais je suis moins sûr du résultat, mais des fourchettes... ou des couteaux qui s'utiliseront de la même manière et qui sont en argent. Ouais, bon, je peux prendre un set de couverts chacun. Ça, couteau. Ça peut être pratique pour manger en plus. Ah non, j'ai mes propres couverts en argent. C'est ça, quoi. ça peut se faire. Ouais, bah à ce niveau-là, on est revenu. Moi, je vais rechercher Tranche Lune. Hein. Ah là 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 là. Bah oui, tu veux la prendre, tu au moment comme la dernière fois, au moment où tu t'en saisis, tu as toujours cette image du baron qui vient, qui t'apparaît comme le détenteur naturel, officiel de cette épée. Maintenant, ça n'empêche pas ton geste, ce n'est pas une contrainte, tu ne ressens pas une force extérieure qui t'empêcherait de, mais voilà, je dois t'informer de cette vision. Du coup, je prends quand même. Après, je me dis que... Alors, une hypothèse, hein, mais ça se trouve, il est connecté à ses armes et c'est peut-être ça qui va nous permettre de nous retrouver. Enfin, j'en sais rien, mais... Ouais, mais en même temps, c'est une arme qui est un petit peu magique, j'ai pas mieux, quoi. Ouais. Une fourchette et un couteau en argent... Ouais, mais je veux dire que si tu la prends pas, il aura peut-être moins de chances de nous trouver. Enfin, j'en sais rien, mais... Je sais pas, moi je pense qu'il nous a mordu, il sait où on est, quoi. Je connais pas assez en vampire là-dessus. Dans le doute, je prends l'épée. Sacré doute. Et donc il prend l'épée. Qu'en est-il des deux autres ? Non, je peux pas. Bouh ! Bah non, mais bon, vu que je suis un peu, entre guillemets, attiré par le baron, enfin bon, bref, enfin je... Bah, c'est, je peux pas, je peux pas la reprendre. Après Peter, je sais pas, fais-nous un signe de la tête. Ah non, il a remis son micro.
J'ai remis le micro là, c'est, il a fini son. Peter, il veut utiliser son propre pouvoir en fait, mais c'est qu'il y a une épée qui peut quand même l'aider. Du coup, il sait pas si, s'il se rabaisse ou s'il va au bout de sa conviction. Non, il va aller au bout de sa conviction, il sait qu'il est le discours de la vieille femme la galvanisée, il utilisera son propre pouvoir. Très bien. Ben vous avez ce que vous voulez, vous pouvez partir, à moins que vous n'ayez une autre idée. Plus pressé de partir qu'en en fin d'après-midi. C'est la fin de journée, oui. Le soleil va se coucher dans une heure. Dans une heure ? Ouais. Il y a des miroirs. Il faudrait aller dans les chambres. Ouais. Un miroir. Bah tente ta chance. Alors, je vais le faire, mais je tente ma chance pourquoi ? Pour trouver des miroirs ou même trouver un miroir plus particulièrement ? Ah, tu vas d'abord tenter ta chance pour trouver un miroir. Il fait 2 mètres. Je sais très bien où tu vas en. Bah, j'ai plusieurs utilités pour un miroir, mais si je trouve celui que je veux, ça serait cool. Combien j'ai en chance là ? Tu as. Alors putain, attends, c'est 7, mais est-ce que t'as vraiment 7 ? Ouais, il me semble que c'était 7. Ouais, t'as 7 a priori. J'ai récupéré full. Si, mais j'ai perdu pas de chance. Si, mais vu qu'il y a quelqu'un qui a fait un échec critique avec des chauves-souris, bah, je crois qu'on a tous perdu un point de chance. Bah non, je crois qu'on a récupéré notre chance dans la forêt, non ? Non, c'est je ne sais plus, non, si non. C'est ça, c'est raté. Non, non. Bah, t'as lancé les dés là ? Ouais. Ah, t'es pas sur le bon. Pas sur la bonne partie de G2D. J'ai fait 8, ok, si tu as le. Oh, t'as fait 8, le guide dans le Discord quelque part, je vais le chercher. Ouais, bon, on s'est raté. Pour Sam, il a fait 8. Au lieu de. Je sais pas si ça va fonctionner, je vais toujours essayer avec ça. Tu trouveras un miroir, mais c'est le grand miroir qu'il y a dans la chambre. Ok. Qui permet de s'habiller correctement, tout ça. Je ne pense pas que tu vas l'embarquer avec toi. Essayer de prendre un bout. Bah non, il n'y a pas l'embarquer, mais il y a un plan auquel on n'a pas pensé. Dans la crypte, il y avait les chauves-souris. Et sans notre merci, s'il suffit qu'on attende qu'il fasse jour, tu réfléchis la lumière solaire avec le miroir et allez, salut, plus de chauve-souris, plus de vampires. À la prochaine, les gars. Il est pas bête le botrac, hein. Après, on peut dormir dans le manoir, se prendre une deuxième morsure et puis faire ça le lendemain, hein, mais ouf. Une deuxième morsure, j'ai peur qu'en fait, le même sentiment de culpabilité que tu as eu quand tu as découvert les chauves-souris t'empêche de le faire. Parce que là, c'est un tiers de ta personnalité qui est un petit peu sous l'emprise. À partir de 2/3, c'est l'avantage du vampire. Ah, je sais pas si ça marche comme ça, mais je l'anticipe. J'en sais rien, moi non plus. C'est des suppositions. Ça va être chaud quand même de jouer avec les miroirs pour. Un miroir pour éclairer tout le tunnel. Ah non, il y a une verrière juste à côté. Ouais, mais le tunnel, enfin, je sais plus s'il est long ou pas. Non, c'est. La pièce, elle est pas très grande donc. Après, si on a assez de temps, on peut le tenter, hein, mais bon. Mais là, il n'y a pas assez de lumière, donc c'est mort. Le lac, c'est pas bon. Ouais, mais bon. Sachez que c'est possible. Ouais, bon, on le fera. De toute façon, là, faut qu'on se casse. Tu voulais un miroir juste pour ça ? Non. Ça peut être un ingrédient de sorcellerie. Ce serait super intéressant, mais bon. Et si tu casses le miroir, ça va pas ? Non, non, non. Il lui faut un miroir avec un cadre d'or. Ah, ok. Ouais. Tu peux le fabriquer lui-même, mais il a vraiment pas ni la formation ni l'outillage pour faire ça. Et moi j'ai artisanat de dessin donc. Il peut dessiner son miroir. En tout cas, n'a rien à voir quoi. Non, bah du coup, on va se casser. Faut pas qu'on traîne de trop. Ah, mais on se voit. Ok, vous partez alors. Après, faut voir. Enfin, en une heure, on peut aller jusqu'où en fait. Parce qu'en plus, il n'y a plus chaste près.
En une heure, vous arrivez à hauteur de Chastepré, oui. Ouais, mais du coup, il y a rien, quoi. Non, mais c'est... voilà. Encore près, on a ce qu'il faut. Peut-être qu'il s'attendra pas à aller nous chercher ici. Par contre, faut faire des tours de garde. Hein, donc... Chastepré, tu penses qu'il est... Bah après, faut pour aller à Ruche d'Or, parce que c'est ça, hein, on veut... Ouais, c'est vers la direction de Ruche d'Or. Faut obligatoirement passer par Chastepré. Non, pas obligé de passer par Chastepré, tu peux simplement le contourner. Ouais, non, mais je veux dire, si on fait une ligne droite, ça passe dessus, quoi. Globalement, ouais. Il y a un chemin, le chemin principal, il passe par Chastepré, quoi. Ouais, bah à la limite, on va camper là-bas. Hein. Bon, on part là-dessus. Moi, ça me va. Aucun problème. Je vais vous donner peut-être les caractéristiques de vos armes improvisées. Puisque c'est de cela dont il s'agit. Donc, ce ne sont pas des armes, des objets prévus pour se battre. Donc, à ce titre, il s'agit d'armes improvisées. Qui s'utiliseront avec la compétence bagarre pour ceux qui l'ont. Bagarre. Les Grunter. Voilà. L'arme improvisée. Donc, vous êtes prêt à noter ? Ouais. Donc, je vous les donne dans l'ordre des phases de dés, hein, les dégâts. 1. 1. 1. Puis 2, 2, 2. Et quand on fait 7 plus, on a 3. Oh. Sauf que les armes en argent, l'argent, c'est pas un métal très efficace pour frapper, pour donner des coups, pour. Voilà, c'est un métal plutôt malléable. Et donc, il a plus de chances de s'abîmer, de se tordre, etc. Et donc, pour refléter cet aspect. Lorsque vous lancez le dé de dégâts, vous devez retrancher 1. Ok. C'est-à-dire que pour faire 7 plus, il faudra soit obtenir un plus 2 quelque part, minimum, soit utiliser la chance au combat. Néanmoins, ça peut paraître faiblard, mais néanmoins, dites-vous que contre un vampire, il n'y a strictement aucune arme autre que de l'argent qui peut l'atteindre. Enfin, si ce n'est le feu, mais comme vous le savez, c'est provisoire. Donc, si vous voulez vraiment le tuer, ça marchera mieux une fourchette en argent qu'une épée magique, même si elle fait plus de 10. Hey. On va lui mettre des coups de fourchette, quoi. J'aimais bien le coup de la cuillère, quand même. Pour lui arracher les yeux. Ah, par exemple. Yeux. Pas top, si. En prendre une, hein, enfin. Ouais, j'ai pris l'argenterie, hein, pas batailler. De toute façon, si tu trouves un artisan, l'argent, ça se refond, hein. L'argent devient argent, quoi. Ouais. Enfin, tu fais des vraies armes avec, je veux dire. C'est bête que vous ayez fait brûler le village d'artisans. Oh, l'enclume, elle est peut-être toujours là, le forgeron, il est peut-être en... Non, la plume a brûlé, tu sais. Non, on va en parler, mais... Bon. Soit. Donc, vous campez au village. Bah, dites-moi, alors, c'est à vous de vous préparer, de me dire quelles sont les précautions que vous prenez, comment vous construisez votre campement, sur base de quoi. Donc, c'est un village en ruine. Vous le connaissez. Les bâtiments qui tiennent encore debout, bah, c'est la ferme. Et la maison du bourgmestre, parce qu'ils sont en partie construits en pierre. Mais sinon, ils n'ont plus de toit. Les poutres ont relativement bien résisté au feu, mais sont complètement, complètement carbonisées. Tout ce qui pouvait être en tissu, évidemment, en paille ou quoi, a brûlé. Certaines zones continuent encore de brûler maintenant. Évidemment, le village n'est pas entièrement éteint.
puisque les villageois n'ont pas pu lutter contre l'incendie amplifié par la tornade surgie de nulle part, tel un châtiment du dieu des vents. Bravo l'artiste. Et comme on peut s'attendre, les villageois ont pour la plupart migré vers soit Rugedor, soit Moignon. Soit est-ce qu'il y avait encore un autre village, je ne sais plus, mais c'est possible. Peut-être que certains ont été jusqu'au temple aussi pour s'abriter, qui sait. Reste très peu de villageois ici, mais il en reste. Il en reste ? Il en reste 2-3. Leur mou, du coup ? Bah, il y a l'une ou l'autre maison qui ont mieux résisté. Ils squattent la ferme, ouais. Et la maison du bourgmestre. Non, c'est pas une armurerie. Alors, l'ancienne maison du bourgmestre, enfin l'ancienne, c'est toujours sa maison, hein, mais. Il n'y avait pas d'armurerie dans la maison du bourgmestre. Ouais, il y avait bien une cave avec cave des expériences. Toujours accessible. La cave est probablement toujours accessible. De toute façon. Vous l'avez dans la cave de chez le bourgmestre ? Bon, bah déjà, on peut aller dans la maison du bourgmestre et voir les gens qui sont dedans. Ok. Bah vous y allez, vous découvrez un couple. C'était des ouvriers qui travaillaient à la ferme. Ils vous reconnaissent. Ils sont surpris. Bah ils vous invitent à entrer, bah surpris oui et non. Ils ne s'attendaient pas à vous voir comme ça, mais bon, vous ne sortez pas de nulle part non plus, donc. Surtout que vous aviez fait bonne impression la fois dernière avec votre miracle d'avoir ressuscité un des leurs. Comme il travaillait à la ferme, bah, il le connaissait bien, donc votre capital sympathie envers eux est ce qu'il est. Donc eux, ils vous accueillent avec plaisir. En gros, chacun fait comme chez vous, mais même s'ils sont pas chez eux. Et puis si vous avez des sujets de conversation à lancer, vous pouvez. Eux, ils sont plutôt taiseux parce qu'ils sont un peu désemparés, quoi. Ils ont un peu perdu tout d'un coup. Ils préféraient rester au village pour récupérer ce qui pouvait encore être récupéré. Ils pensent qu'il y a peut-être moyen de se faire une petite fortune, en gros, d'après ce que vous lisez entre les lignes. Il y a probablement des petites pièces qui traînent ici et là, des petits coffrets qui traînent, et tant pis pour ceux qui les ont oubliés. Voilà. D'accord. Compte bien rouvrir une nouvelle ferme quelque part et repartir à zéro. Est-ce qu'on peut checker s'ils ont une marque sur leur coude ? Ils en ont une. Ah. Ils sont probablement pas cons. Ah, nous on en a une aussi, donc bon. C'est à la mode en ce moment. Mais est-ce qu'on pourrait pas genre leur tendre une arme, genre tranche lune ou quoi, puis voir s'ils voient quelque chose aussi. S'ils voient le baron ou. Ah, tu veux dire si au contact de, ouais. De tranche lune ils auraient une vision particulière ou quoi? Ouais. C'est ça? Ouais. Non, moi j'ai pas d'arme non plus, je propose. Ouais. C'est une idée, maintenant c'est au détenteur de la diplôme de se décider. Ou alors, je leur donne des couverts en argent, en leur disant c'est pas grand chose, mais ça peut vous rapporter un peu de thunes. Ah, c'est pour qu'ils réalisent qu'ils sont sous le contrôle du vampire. Ouais. Mais ça se trouve, ils sont déjà vampirisés, tu vois. Si c'était le cas, ils seraient pas là en pleine journée. Ah, c'est encore la journée, moi je pensais que c'était le soir. Ah, là, c'est du coup, on est en début de nuit, là, du coup. Début de nuit, oui, c'est le soleil. Ouais, mais c'est vrai qu'il serait peut-être pas frais et dispo, quoi. Bah, ouais, c'est ça.
peut être comme nous, quoi. Une ou deux marques, quoi. Du coup, c'est quoi le plan? Je leur montre l'épée? Comme ça? Ouais, faudrait trouver un prétexte à la con pour qu'ils la tiennent, quoi. Bah, pour qu'ils la tiennent, non, mais je leur dis, prenez-la, et que voyez-vous? Mais ouais. Genre, je la lâche pas, tu vois, je la montre. Truc pas du tout suspect, quoi. Il se passe quelque chose quand vous touchez cette arme. Après, tu peux le faire comme ça, hein, si tu veux. Bah, tu veux le faire comment, de toute manière? Comme ça, si tu veux. On n'est plus à ça près. Ouais, non, je vais... Mais je la garde bien en main, et je le retends, et je fais toucher ça. Et qu'est-ce que ça vous fait ressentir? Qu'est-ce que vous voyez? Bah, ils la prennent. Bah, ils sont épatés, parce que c'est très joli, évidemment. Maintenant, vous êtes des aventuriers, donc que vous ayez une arme, une belle arme, c'est pas complètement loufoque. Mais eux, pauvres petits fermiers, ils ont rarement l'occasion d'en voir d'aussi belles, d'aussi près. Et ils remarquent tout de suite les inscriptions, on va dire les fines gravures, dont une qui est la marque de la famille du baron. Finement gravé sur la lame, c'est quasi imperceptible, mais quand on la regarde de près, on le voit. Oui, ils ont pas d'apparition. C'est bizarre. Attends. Ah. Oui. Vous êtes donc au service du maître? Si je dis oui, techniquement, je mens pas. Oui, c'est ça. Ah. Oh. Alors, vous aussi, vous pensez que il va reconstruire le village et que tout pourra reprendre comme avant? Encore mieux qu'avant. Vous êtes ses premiers soldats. Et qui sait, peut-être un jour une grande armée que nous n'avons jamais eue. Je ne sais pas pourquoi. C'est vrai, il nous a envoyé en quête. En quête de quoi? De thé. Non, attends, il y a un truc à faire. Là. C'est pas con parce qu'en vrai, la cuisine elle était à côté de la cave, mais dans la cave il y a bien des conneries, tu vois. Et eux ils connaissent bien le baron, donc ils savent qu'il aime bien le thé. Le thé, ils ont bien reconnu. Oui, du thé, ouais, il est fan de thé. Ah, le baron, comme tous les aristocrates, quoi. Voilà. Moi. Je trouve que c'est une bonne excuse. Oui. Oh bien, du thé, c'est curieux. Nous allions justement vous proposer d'en boire avec nous. Bon, on va le goûter du coup. Hein. On va juger. Vous faites un thé, quoi, parce que oui, il y a effectivement des feuilles de thé dans la maison du bourgmestre, c'est évident. Incroyable. Attention, moi je vais pas le boire, hein. Je vous laisse le boire si vous voulez, mais moi je vais pas le boire. De toute façon, c'est nous qui le préparons, le thé. Tous ensemble, oui. Thé. Mais si c'est un thé bonne nuit, merci quoi. De toute façon, on va dormir. Donc. Vous auriez du miel avec votre thé? Ah, bien sûr, du miel. Et oui. Du bon miel apporté de Riche d'Or, quoi de plus facile à trouver. Où est-ce qu'il est? Je vais aller chercher, vous dérangez pas. Il y en a un pot entier avec la... Tu sais, le truc en bois, là... La cuillère. Je sais plus comment on appelle ça. Je vois, mais je sais plus le nom. Ouais. Dans l'inventaire, hein, ça.
Pas le miel. Il le subtilise. Ouais. Il prend le miel. C'est un pot qui fait son poids, donc je veux dire, ça te vaut un poil équipant, ça. Hein. Alors, je prends suffisamment de miel, une ou deux livres. Enfin, tu prends le pot, quoi, je veux dire, tu vas pas t'encombrer à transvaser le miel dans un... C'est dans un mug. je prends le pot de miel. Oh bah je l'ai pas trouvé. C'est avec le gros bocal dans la poche, c'est... je peux pas trouver. Non, y a pas de miel. Et du coup, on va pas dormir là. Quoi? Enfin, y a des chances qu'il repasse le vampire, quoi. Bah ça, tu t'es pas dit, t'es au milieu du village, le seul bâtiment important c'est la ferme et c'est cette bâtisse là qui est sa propre maison en fait. Toi tu t'es pas dit qu'il y avait des chances qu'ils reviennent là? Bah c'est pas la maison du baron. Oui, mais c'est le bourgmestre, c'est pareil. Pas trop, ils sont pas très potes. Hein. Je pensais qu'il serait parvenu, oui, mais s'il y a quelques villageois, du coup s'il va revenir, ça c'était pas prévu. En plus, il nous a dit qu'il allait partir enquêter sur son ennemi, donc c'est obligatoire qu'il repasse là. Donc il n'est pas déjà repassé. On va pas dormir là, du coup. Tu veux dormir où? Dans la ferme? Enfin, moi, je veux bien dormir là, mais c'est comme si on mettait un panneau invitation à une seconde morsure, quoi. La chambre de Jana, elle est bien. Ah ben non, mais... Là, c'est là que le foyer de la sortie, c'est là, je vous rappelle. Donc, il reste plus grand-chose. Ouais. Ouais, mais on va camper, hein. Ouais. Comme ça, on peut pas rester là, quoi. À la limite, bon. Moi, je prends le thé, puis je dis, bah, c'est bon, on a trouvé ce qui ce qu'il nous fallait, on peut partir. Ouais, pas aucun problème. Ils vont pas vous retenir, hein. Que tout aille bien pour vous, à la revoyer. Vous allez quoi? Vous allez camper un peu plus loin? Ouais. À l'extérieur du village À l'extérieur du village, un peu hors chemin. Ouais. Dans un endroit, j'allais dire un peu dégagé, mais bon, c'est... Ouais, d'accord. Paf. Moitié dégagé. L'un d'entre vous peut éventuellement faire un test... avec la compétence orientation. Orientation, j'ai pas. Ou survie, non, c'est pas les compétences, survie, je sais plus. J'arrive. C'est un talent en survie. D'accord. Pas... Évaluation. C'est quoi la compétence qui se rapproche le plus de la survie en nature? Chasse. Ouais, il y a chasse, mais bon, c'est. Pas trop. Ensuite, j'ai la liste. Si je la retrouve. Ouais, je sais pas. Ou pas. Moi, j'avais en tête qu'il y avait orientation, moi, je peux me tromper. La liste. Bah, si elle y est, moi, j'ai pas. Ah, je la vois pas sur la fiche d'aventure. Non. Ouais. Effectivement, j'ai dû me tromper. C'est que je dois être contaminé par un autre jeu. Non, mais c'est vrai que c'est curieux que ça n'y soit pas. J'avoue. Mais par contre, il y a chasse, c'est vrai, il y a... c'est des connaissances, en fait. C'est connaissances de la forêt, connaissances selon l'emplacement où vous êtes. Ici, c'est plutôt de la plaine. Connaissances de la mer. Qui a connaissance des plaines de Riche d'Or? Personne, c'est con. Ouais, on va dire c'est presque là. En plus, il n'y a même pas ni la montagne, ni rien. Qu'est-ce que vous avez comme compétence de connaissance, vous? Moi, j'ai monde, religion et ville. Ouais. Ville. Monde, marée. Vanilla, hein. Bah, connaissance du monde, alors. J'ai un point en connaissance. Pareil. Un test en dessous. Bon, allez. Mon premier jet. Deux ou un seul? C'est quoi? Un seul, ça suffit. Ouais. Je vais le faire en plus. J'ai déjà lancé les dés tous les deux. Comment ça?
Enfin non, il y a juste Sam qui a annoncé. 7, ça passe. Ok. Alors vous trouvez l'endroit le plus propice, que vous aménagez correctement, à l'abri des regards, dans une position où vous pourrez un peu surveiller les alentours et en même temps être un peu discret. Moi j'ai une tente, tout ça. Bah, je vous laisse regarder dans votre équipement tout ce que vous avez qui sert à un campement. S'il manque quelque chose d'élémentaire, genre des couvertures, je vous dirais, vous ne récupérerez pas vos points d'endurance dus au sommeil ou un truc du genre, mais je pense que ça devrait aller. Moi j'ai tant de couvertures, ouais. De toute manière, pour récupérer les points, il faut avoir un sommeil complet, non? Complet, oui. Ouais, donc si on commence à faire les tours de garde, c'est mort de base. Ah non, ça fait partie du sommeil normal. Un tour de garde, c'est... Vous ne pas... À moins que vous ne soyez vraiment que deux et que vous partagez la nuit en deux, là ça devient effectivement chaud. Un partage en trois. Là, vous êtes trois, ça va quoi. on va la partager en trois de toute façon. Alors on fait quoi comme ordre? Ouais. Est-ce qu'il y a un ordre optimisé? Tu veux bien commencer? Ouais. Moi je veux bien finir. Ok, deuxième du coup. On fait ça. Après, il y a le lion noir aussi avec nous. Il y a mon aussi. Ouais. Ouais, les deux lions. Ouais. Ok, on part là-dessus. Là-dessus. Bien. Celui qui commence le tour de garde va faire un test de vigilance. Alors, ça, c'est réussi. Bravo. Pour toi, rien n'a signalé. Ton tour de garde se passe bien. Il y a bien l'une ou l'autre bête sauvage qui tentera de rôder dans les environs, mais la seule présence du lion suffira à les dissuader. Tour suivant. Je sens la douille, mais... Au meilleur moment, finalement, c'est vrai que le deuxième tour de garde, c'était en plein dans la nuit, quoi, donc... Ok, let's go. Hein. Toi, qui n'es pas Nyctalope, par contre, comme les autres, est-ce que tu considères... Enfin, je ne sais pas, est-ce que vous considérez que vous avez fait un feu ou pas, en fait, je ne sais plus. Moi, je pense que pour la nuit, non. Bref. Non. Hein, à part s'il fait vraiment froid, mais bon. Les nuits sont assez froides dans les plaines là où vous êtes, oui, mais je prends en compte que, bon, il y a un homme-chat qui régule sa température autrement, on va dire, que les autres, et qui peut éventuellement céder l'une de ses couvertures pour que l'humain ait plus chaud, et le batracien, comment il est censé avoir réagir au chaud, ah oui, au froid, il y a des charmes. Vraiment, je peux lui filer la cape. La cape de nuit. Il y a la cape aussi que vous avez. Ah, la fourrure, ça tient bien chaud, ça, oui. Non, il n'y a pas de problème. Vous dormez l'un contre l'autre, vous vous tenez un peu chaud, et puis il y a le lion aussi. Ouais, non, vous trouvez des sources de chaleur différentes. Oui. Donc, le deuxième tour de garde, jet de vigilance. Oh. Vraiment, je suis bien en vigilance. En fait, il faut que je fasse un échec critique. La dernière fois que j'ai dit ça, je l'ai fait, donc... Pas annoncer comme ça les choses. Oh, ça va. 9.
9 sur 11. Il te semble entendre des bruits un peu bizarres en provenance du village. Des bruits comme si on explorait les ruines un peu, qu'on marchait dans des gravats, qu'on faisait tomber des trucs, tu vois. Ok. Tant que ça se rapproche pas de nous... Non, ça se rapproche pas. Puis de temps en temps, t'entendras un grognement aussi. Ouais, non. C'est vraiment s'il y a quelque chose qui arrive sur nous, je fais quelque chose, mais sinon... Non, je fais rien, quoi. Parce que, bon, je me doute qu'il va se passer des trucs là-bas, mais... J'ai pas envie qu'on soit vu. C'est pas le but. Est-ce que tu peux refaire un test de vigilance ? Mais cette fois-ci en opposition. Oh ! Il spoil déjà, je sais, c'est mal. Direct l'arnaque, quoi. On met un mât du coup. 8 et 8, 16. Et plus 3 vigilance, hein. Non, mais ils sont déjà dedans. Si tu l'as déjà ajouté, ouais. Ok. 16. Le plus 3 de... Vigilance. J'ai 3 en vigilance, c'est ça qui veut dire. Ah oui, d'accord, oui, d'accord. Okay. Donc ça te fait 16. 19. Non, c'est 16, c'est je l'avais mis dedans. J'avais déjà compté, ah, ouais. Parfait, t'es un peu dérangé entre guillemets par des bruits de volatiles un peu de temps en temps autour de toi, mais t'as l'impression qu'ils se chamaillent ou quoi, tu sais pas trop. À part ça. Ok. Tu vois des volatiles assez rapides passer de temps en temps. Un ou deux, comme ça. Tu dirais qu'ils se courent l'un après l'autre. Et rien de plus. J'ai réveillé le petit pote. Petit chasis. Ouais. Avant cela, est-ce que Peter peut faire un test de vigilance également, mais vu qu'il est en train de dormir, qu'est-ce qu'on va lui accorder comme malus? Alors... C'est pour Peter, c'est ça? Ouais. Moins 10. Il n'y a même pas un malus pour dire qu'on est en train de dormir. Ça veut dire quoi, ça? Attendez. Hein. Allez, tu piffes. Ouais, Moins 3. En opposition. Solide. Combien ? 15 en tout. C'est... Aïe. Et c'est bien parti. Ah là 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 là. Ce n'est point assez. J'ai pas compris. Pas grave. C'est pas assez. C'est assez. Ah, on peut passer le tour de garde au suivant. Ah, c'est dommage. Oh, réveille-toi, c'est la merde. Ah oui, non, j'ai oublié, Chazi peut me faire un test aussi, tiens. J'ai oublié. Silence. Ouais. Avec le moins 3 aussi. Ouais. Ah. Mais le fait qu'on est dans nos caps spectrales, là, tous les deux, ça change la donne ou pas? En opposition, c'est ça? Caps spectrales... Mais vous dormez. Ouais, mais on s'en sert pour réchauffer, mais du coup, vu que ça donne un bonus... Ta visibilité. Oui, oui, d'accord, ça donne un bonus, d'accord, mais là ça sert que de couverture, donc non, faut pas déconner. Dans une tente en plus. Donc, écoute. Mais t'es dans une tente quand même. Hein. Bah ouais. Ah non. Du coup, t'as fait. Du coup, au total, c'est 10 avec le moins 3. Avec le moins 3. Ouh, pas beaucoup ça. Ça pue. Hein. Tu peux toujours faire un échec critique. C'est pas le cas. C'est pas grave, vos nuits se passent bien, vous faites des rêves érotiques assez
c'est agréable. Et quand Tina vient te réveiller, Chazzy, tu te réveilles en plein milieu d'un rêve un peu chaud, donc t'es fou. Oh non, pas maintenant. Oh merde, tu fais chier là. Putain, le meilleur moment. Oui. Quel enfer. Tina se rendort alors. Ouais. Allez, salut hein. Ouais, bonne nuit. Et Chazzy va nous faire un petit test de vigilance. Un normal d'abord. Zblé. Pas mal. Oh, c'est bon. 8 sur 8. 8 ou 8. Tu lisais ? J'ai pas entendu. C'est bon. C'est 8 sur 8. T'es réussi. Ah. C'est un peu juste pour moi. Tu entends le bruit caractéristique d'un déplacement de... d'un déplacement d'un groupe, tu vois, d'un groupe de personnes qui se déplacent comme un seul homme qui vient des montagnes dans votre direction. Il vient des montagnes dans notre direction. Ils ont des torches ou n'importe quoi pour s'éclairer? Non, mais tu entends cela grâce à tes oreilles de chat particulièrement aiguisées. Donc je les vois pas. Je ne les vois pas. De toute façon, il fait nuit, donc même avec Nyctalope, ça serait chaud. Pardon ? En gros, tu entends un déplacement de troupes. Ouais. C'est suffisamment proche que pour être entendu. Je serais distingué si c'est une horde de zombies ou si c'est des elfes. Oui, en général, les hordes de zombies, il y a l'odeur qui va avec aussi. Et... Non, c'est quand même rare comme phénomène une horde de zombies. Puis tu n'as pas eu connaissance encore d'un nécromancien présent dans la région. Ouais. Quoique. Ouais, c'est vrai que... Il y a un début de quelque chose. Ils viennent des montagnes, donc ruches d'or, non? Possible, ça. Ils viennent de... Potentiellement, ils pourraient venir de cette direction. Mais en tout cas, ils prennent le chemin de Ruche d'Or vers Chastepré, oui. Est-ce que ça vaut le coup que je réveille tout le monde? Si tu veux, tu peux aussi te déplacer pour avoir un meilleur angle de vue, pour, grimper un quelque part et voir... Vous n'avez pas de longue vue, hein? Non. Il n'y en avait pas une chez Bourgmès? Ah, peut-être, mais on ne l'a pas prise, en tout cas. Que... Ah oui, c'est possible, oui. Mais on l'a pas pris, je crois. Je suis le baron, bon. Peut-être. Elle est cramée maintenant. Ouais, j'avoue. Je vais essayer de repérer un arbre un peu plus haut que les autres pour l'escalader et voir si je peux zioter aux alentours. Bien. Alors, tu vas refaire un test de vigilance. Ouais, ça passe pas. Et non. Ah, il est en opposition, celui-là, ou pas? Avec l'arbre. Je monte dans l'arbre, mais il y a trop de feuilles, tu sais. Est-ce que Tina peut faire un test de vigilance? Avec le moins 3. En opposition avec le moins 3, putain. Oui. Oh non. Merde. Ah, il descend la malle. Avec le moins 3, ça fait 16. Bah dis donc. Bon, ça, j'ai un bon score en vigilance. Exactement le même cas de figure que tout à l'heure. Il est blindé. Tu rêves du baron.
Tu rêves du baron et vous passez une merveilleuse nuit à discuter de plans de conquête du monde et ce genre de choses. Et il est là, vous chevauchez tous les deux vos loups volants. Vous traversez le ciel, main dans la main. Un rêve romantique comme ça. Et puis il se met dans une position un peu improbable, tu sais, dans un rêve comme ça, tout n'est pas toujours cohérent. Il se met à te faire le baise-main, puis sa tête se détache et commence à te faire des bisous sur le long du bras. Puis il perd sa, comme s'il avait un dentier, tu vois, et le dentier se met à bouger tout seul vers ton cou et tout d'un coup il te mord comme ça. Oh, merde. C'est terrible. Ça te réveille pas, ça? Ouais, ça me réveille ou pas? Un test de chance. Quelle question, quoi. Cette arnaque, quoi. Bah ouais, let's go. De toute façon, si on propose un jet de chance, faut le faire. C'est la règle. J'ai combien? J'ai 7. 6, ça passe. Réveille. Je me réveille. Et le baron est en train de te donner le deuxième baiser. C'est genre, c'est en cours ou y a moyen que je fasse quelque chose? C'est en cours, oui. Tu reprends juste... tu peux interrompre le processus. Ouais, bah je le pousse. Tu entres. Qu'elle accueille. Et tu peux être là. Bon, vous devez retrouver. Comment que fais-je là? Je fais ce qu'il faut faire. Ouais. On va à tout prix nous rapprocher, ma chère. Ouais, mais on peut reporter ça plus tard. Absolument pas. On fait ce soir. Ouais, mais non, parce que là, je suis. Et puis demain soir. Avec d'autres personnes, on doit faire ça dans un lieu discret. Je donne des coups de pied à Peter, c'est en même temps pour le réveiller. Peter, est-ce qu'il va se réveiller, Peter? Il devrait faire un jeu de chance, hein, ça me semble équitable. Je relève ma chance aussi. J'ai réussi. Bravo. T'as bien joué. Ah, Peter sent un coup de pied. Ça le réveille. Tina doit avoir un sommeil agité. Elle va nous entendre parler, je pense. Oui, évidemment, tu les entends parler, évidemment. Et tu entends un gentleman chuchoter des mots doux à ta voisine. Il le repousse. Tant que je peux, mais c'est pas évident. Non, mais arrêtez. Avec élégance. Ouais. Casse-toi, là, il y a des gens. Bien. Bah. Un petit coup de fixe. Un petit coup de fixe. Tu as fixé quoi? Fixe. Ah, oui, c'est le personnage qui se fixe, là, oui. Ouais. Ah. Mais vas-y. T'as un point d'endurance, t'as fixe. Ouais. Un point d'endurance, ok. Est-ce qu'il peut résister à ça? Où sont mes cartes? Là. C'est en important, parce que si j'ai le droit à un jet de chance pour résister, je vais pas me priver. Ah, petit fourbe. Si la cible est un être vivant, elle peut tenter sa chance. Mais qu'est-ce qu'ils ont entendu par là? Est-ce qu'ils entendent? Forcément, si on est inerte, c'est évident qu'on va pas résister. Ou bien, bon, un être vivant. Ben, c'est un mort vivant, donc pour moi, c'est un être vivant. Il est dans les deux aspects, donc ça devrait compter, non? C'est sûr que si tu essaies de fixer un rocher, c'est évident qu'il va pas résister, quoi. Bon. Sacré rocher. Je tente ma chance. J'ai 10 points de chance, entre guillemets. Oh, putain, solide habilité là. Ah, putain, réussi.
Ah, il te regarde. Et là, mon gaillard, ce n'est pas aussi facile avec moi. Mmh. Auriez-vous l'obligeance de m'aider à terminer mon travail? Là, tu peux tenter ta chance. Encore. C'est raté. Bettina sent une prise au niveau des bras. Ah. Si elle veut se défaire de l'emprise du batraque, merde. Il faudra qu'elle fasse un test de force en opposition. Pendant ce temps, le baron poursuit, enfin tente de poursuivre en tout cas sa besogne. Délicatement, avec beaucoup de manières, évidemment. Détendez-vous, très cher, ça ne va pas durer longtemps. Bah non, bah je vais me débattre. Je vais crier en même temps. Toujours crier. Ah oui, mais j'allais dire, je vais réveiller le lion, mais le lion, c'est le pote du baron, donc super, quoi. Ah. Et moi, je suis dans mon arbre, je calcule rien, c'est ça? Évidemment, Ishazi sur son arbre entend le cri de détresse de Tina. Ah. Il y a moyen que je saute dessus, là? Ah, dessus, peut-être pas, mais en tout cas, tu peux bondir et puis quoi, le charger, oui. Ouais, enfin, pour l'effet de surprise, je saute de l'arbre et puis je cours dessus, quoi. Ouais, si tu veux gérer un effet de surprise, il va falloir réussir à être discret, donc à faire un test de vigilance. Est-ce que tu as ta cape sur toi? Non, je l'ai donné à Tina. C'est con. C'est con. Ouais, bon. Est-ce que c'est là que ce serait utile? Non, parce que du coup... Furtivité, j'ai quand même 2. Mm-hmm. Sans la cape. Ma thèse de furtivité en opposition, et comme il est déjà distrait par une activité très prenante, il aura un malus de 2. Ok. Alors... Il va pas bien loin là avec tout ça. Oh quel homme. J'ai fait 9. Ça fait 19. Tu vas faire plus que 12. Wow, c'est bon. 19. Tu as plus 6 pour le surprendre. Donc tu as plus 6 à ta première action de combat. Coup sur 1. On va tester la théorie de la fourchette en argent. On va tester la théorie de la fourchette, exactement. Ce faisant. Il ne t'a pas entendu, hein, et tu es derrière lui avec ta fourchette, prêt à l'enfourcher, si j'ose dire, à l'enfourchetter. Et là, tu le vois dans toute sa prestance, dans toute sa noblesse, il est dos à toi, mais c'est difficile quand même d'attaquer un homme de cette classe dans le dos. Mais ça m'empêche pas de le faire. Ben, je ne sais pas. Test de chance? Ouais, t'es large. Pas le con, chance, hein. Moi. T'as 9. T'es sûr que j'ai 9, là? Ah, t'es full, toi. Et n'oubliez pas, il y a des choses à faire, il y a des choses à se rappeler de la séance précédente aussi, hein. Vous savez, dans des quêtes, quand les personnages donnent des quêtes, donnent et des objets, autre chose. C'est vrai. Comme des rimes. Vas-y, tente ta chance. Oui, moi, mon but, c'est de tester la théorie des armes en argent sur les vampires. Après, c'est moi qui l'ai, le Y. Aussi. Bah oui, en plus, mais toi, tu sais pas bouger. Ah non, je suis coincé. Ça part. C'est bon. Ça donne quoi? Parce que j'ai pas... C'est bon. C'est bon? Oui. 5 sur 9. Du coup, je m'enlève un point de chance. Parfait, bah oui, tu te chasses ces pensées de ta tête, mais tu sens quand même que ça tourne, t'as un peu le vertige, tu t'as ton cœur qui palpite, et tu commences à sentir alors les choses un peu autrement dans ton entourage. Tu vois, t'as l'impression d'avoir l'odorat un peu plus développé, et tu as l'impression vraiment de sentir la peur de Tina, par exemple. Ouais.
Si Tina a la peur, je frappe. Hein. D'accord, tu frappes avec plus 6. Avec la compétence bagarre, si tu l'as. Non, bagarre, j'ai pas. Du coup, c'est full habilité ici. Et ici, tu es plus dans 6. Son dos, donc tu vas avoir un joli petit bonus aussi, je pense. Pas mal. Du coup, j'ai fait 7 déjà de base. Attaque par derrière, plus 4 encore. C'est bien. Ça va faire beaucoup, ça. 18, 10, je suis 19, c'est ça? Plus 1. Alors là, tu fais 8 plus 7, ça fait 15. Avec ton plus 6, t'as 21. Et l'attaque dans le dos, c'est quoi? Plus 4? Ça fait 25. 25. Oh, il est cassé. Hein. Ça, il aurait fait un succès critique à ce moment-là, ça aurait été tellement relou. C'est clair qu'un double 6, ça aurait été des plus malvenus. Parce que sachez que si je fais un double 6, enfin un succès, quand on fait un succès critique, en dépit du résultat, même si tu obtiens un score supérieur au mien, j'ai quand même le succès critique, donc j'ai quand même gagné. Tu vois, c'est valable pour vous aussi. Ouais, ok. Donc, moi je ne fais que 19. Et 25. Eh bien, le coup est porté. La fourchette transperce la tenue du baron, lui arrache un horrible cri de douleur qui fait revenir Peter à la raison. Il s'aperçoit de l'aberration qu'il est en train de commettre. Le lion se réveille évidemment d'un coup aussi. Il regarde un peu tout le monde, il reconnaît tout le monde, il sait pas trop bien qui soutenir évidemment. J'espère qu'il va pas me chiquer le lion. Et on a aussi le lionceau de Tina qui bondit en direction du baron et qui le griffe au visage. Yay! C'est une bonne bite. Alors, les dégâts de la fourchette. Vas-y. Un petit dé. Un des 6. Moins 1. Un des 6. 1. 1. Avec le moins 1, ça fait 1. 1-1. Ah, c'est pas très efficace. Moi, ouais, c'est un point, hein. Il a senti passer. Évidemment, il se saisit de la fourchette en même temps qu'il essaye de se saisir du lionceau. Ah, saleté de bestiole. Là, il se débat, il tourne en rond, évidemment, sur lui-même, en faisant virevolter sa cape. Et même quand il est dans une situation critique, il est classieux, vous voyez. Il vous impressionne malgré tout par cela. Et maintenant, qu'allez-vous faire? Bah, du coup, si je suis libéré, je sors la rune. Le fameux Y inversé. Là. La rune de vie. Évidemment, le vampire arrive à dégager le lionceau, il le jette. Évidemment, celui-ci retombera sur ses pattes, il n'y a aucun dommage. Et puis, il tombe nez à nez avec Tina. Tiens. Le symbole de vie. Ah! Pousse ça, ignorante créature! Et non. Et non. Situation improbable, quoi. C'est vraiment le mec, c'est non, vous passez la main. Alors il te regarde dans les yeux, il essaye de ne pas regarder le symbole de vie, il essaye de capter ton regard. Tina, écoute-moi, regarde-moi. Que fais-tu? Je sais pas comment fonctionne la rune, mais je vais me rapprocher de lui en fait. Genre en le tendant bien. La rune, je vais regarder tout de suite parce que je ne sais plus exactement le point technique précis de la rune, si ça ne fait que l'éloigner ou si ça peut lui faire quelque chose d'autre, mais je crois que ça le maintient à distance. Attends. Hop, hop, hop. Vampire, lettre V. Ah, c'est juste après le troll des mers. Magnifique troll des mers. Vous voulez voir le troll des mers? Allez, vas-y. Rien à voir avec le vampire. Très joli, il y a plus qu'une illustration couleur. Wow. Oh, il est balèze. Costaud, ouais. C'est tout bleu, comme ça, il est très joli. Faut mieux pas tomber là-dessus.
Alors... Ça c'est plan B, ça s'écourt plus vite que lui. Alors, c'est une vulnérabilité... Poum 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 poum... Alors voilà. Alors, les vampires se laissent cependant rarement prendre à ce piège. Oui, ça c'est le piège du soleil. Car ils s'envolent vers leur abri, etc. Blablabla. Brandir un crucifix ou une gousse d'ail devant la créature la tiendra à distance pour quelques secondes seulement. Ah. Merde. Ah. Mais quelques secondes, c'est toujours ça de pris. Si quelqu'un veut tenter quelque chose pendant que le vampire est tenu à distance... J'attaque au pieu. Tu prends le pieu, oui. Ouais. J'attaque. Attaque brutale. Attaque brutale avec le pieu, parfait. Donc tu as moins 2, si je me souviens bien. Mais plus 1 au dégâts, c'est ça? Ouais. Rappelle-moi aussi l'histoire de la consommation des points de chance en combat. Ça, c'est au moment de calculer les dégâts. Ok. C'est à la place de lancer les dégâts, tu testes ta chance. Maintenant, le pieu, je ne sais pas si ça causera des dégâts, ça va surtout l'immobiliser, en fait. Donc fais déjà ton test de combat. Je pense que tu n'as pas besoin de faire une attaque brutale en fait. Parce que je pense que l'enjeu n'est pas tant de causer des dégâts que de l'immobiliser. Tout à fait. Donc attaque normale du coup. Standard. Ouais. Ah oui, ok, d'accord. Okay. Ça va. Ici, la complexité va venir du fait que, d'habitude, ici, il considère le pieu comme le truc à utiliser pendant que, en journée, quand tu vas débusquer le vampire dans son cercueil, et tu sais, comme dans les films d'horreur où tu vas lui enfoncer le pieu. Il est immobile et sans défense. Ici, c'est en pleine nuit, il est debout, il sait qu'il est en danger. Donc ça va être vachement plus compliqué de lui enfoncer un pieu dans le cœur. Donc on va essayer de gérer ça comme si tu avais une arme en main, et que si tu fais un super coup, on va essayer de gérer ça. Donc tu as fait quoi là? Combien? Bah, ça dépend si c'est en opposition. En opposition, oui. J'ai fait 13. Ici, je suis... Tu as plus 2 parce que vous êtes à 3 contre 1. 15. Hein ? Ça passe. Ça passe. Cependant, est-ce que tu vas arriver à viser le cœur ? Bah, je dirais... Ouh là 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 là, comment je gère ça, moi ? Tant de ta chance. Bah, ouais, à mon avis, c'est comme ça qu'il faut le gérer. Ça va être chaud, hein, là, mais... Alors, 4 ou moins, on y croit. Non. Non. Hélas, bah, tu enfonces le pieu, mais pas au bon endroit, et là, évidemment, le vampire va tenter de riposter, évidemment, au tour suivant. Une dernière action gratuite, entre guillemets, pour Ishazi, qui en avait l'opportunité. Deuxième coup de fourchette. Je peux remettre un deuxième coup de fourchette. Oh, il y a mieux à faire, non ? Non, mais en vrai... De quoi ? Tu avais pris plusieurs couverts, parce que là, ta fourchette, tu l'avais plantée, et lui, il l'avait toujours... Ouais, genre une fourchette et un couteau, quoi, tu sais. Ouais, oui, bah oui. Pour moi, vous avez pris un set de couverts complet avec plusieurs couverts, donc pour moi, ouais, y a pas de problème. On sort ton arme, sinon... Ouais, je peux le trancher avec tranche-lune, mais bon... Pas mieux, je pense. Ah, je sais pas en fait. Ouais, non, en fait, je dis ça, mais en fait. Mais tranche-lune, vous savez, ça lui fera pas. Ouais. Ça lui fera pas. Mais c'est ça en fait, le truc, c'est parce que par rapport à ce que t'as dit tout à l'heure, je préfère encore le taper avec les trucs en argent, quoi. Ouais, mais si tu coupes. Parce que les armes en argent, c'est les seules armes qui vont lui faire perdre des points d'endurance. Et les seules. Tu lui coupes une partie du corps. Il sera moins chiant. Plutôt, mais non, avec ton arme. Quoi, tu veux que j'essaye de couper. Enfin, je sais pas. Après, si on continue à faire des 1 PV par 1 PV, on va jamais s'en sortir, en fait. Parce que là, la solution, c'est pas de l'empêcher de combattre. Enfin, bon, bref.
pas dit que c'était facile à faire. On aurait eu des armes en argent. Pour le feu de l'action, donc donne-lui toujours le coup, et puis après vous aviserez si vous changez de stratégie. Ouais, ça va être un coup avec... j'avais tapé avec la fourchette, maintenant ce sera avec le couteau, quoi. Allez. Il va avoir le 7 complet dans son dos. Les cuillères, ça va être plus compliqué. Hein. Ah ouais, là, ça va être... 2d6... du coup, on partait sur quoi encore? Il y avait un plus 4. Bah non, là c'était attaque dans le dos, donc c'est plus là. C'est plus attaque dans le dos, par contre t'es en surnombre, donc t'as plus 2. Plus 2? Et 8. Je suis à 16. Et si Tina utilise son châtiment, c'était châtiment contre les créatures... Les bipèdes, je sais plus quoi là. Ça peut marcher contre le baron, ça. Humanoïde maléfique. Créature humanoïde maléfique. Ouais. Ouais, mais bon, là, je suis en train de tenir le truc. Donc. Ça nous faisait. Ou 16. 16, ouais. Parfait, ça passe. Alors, à la place des dégâts, tu peux tenter ta chance et faire le maximum, à savoir 3. Ah, j'avoue que... Oh. Bah, ce sera mieux que 1, quoi. Ah, si oui, ça, oui. 1. Maintenant, si tu rates le jet de chance, ça n'a pas d'incidence, tu lances le dé normalement, tu fais quand même des dégâts. Vas-y, 2d6, on va faire le dé de chance. J'ai fait 8 sur 8. Bon. Pas de soucis. 3 points de moins. Le vampire se retrouve maintenant avec un couteau planté dans la poitrine. Ah ! Mais qu'osez-vous faire ? Je croyais que nous avions un accord. Non. Vous rebellez contre moi ! Il se redresse avec sa fourchette dans la main et son couteau planté dans la poitrine. Et puis vous voyez qu'il y a sa main qui brûle un peu, là, tellement il serre la fourchette. Là, puis d'un coup, il la jette loin de lui. Ah ! Vous ne l'emporterez pas. Je vous aurai. Et puis il bondit sur Tina. Il va essayer de retirer le crucifix des mains. La rune de vie. La rune de vie, oui. Il va pas essayer de te blesser cette fois-ci. Mais je dis déjà qu'un vampire, il a attaque 3. Ça veut dire que dans le même round, il peut blesser chacun d'entre vous s'il surpasse au score chacun d'entre vous. Alors, ceux qui participent au combat me font un test d'attaque avec l'arme de leur choix, la compétence qui va avec. Moi, je lance le dé et je vous dis le seuil à dépasser. N'oubliez pas que vous avez plus 2 parce que vous êtes en surnom. Je fais 17. Si j'utilise mon... Si j'utilise mon châtiment, ça prend un tour ou pas? Ça prend un tour non, ou c'est instantané. Non, tu peux décider, c'est instantané. Blablabla. C'est pour doubler tes dégâts. Pas possible de faire 2 jets bien distincts avec le D6 pour déterminer les dégâts. De chaque ça veut dire que si tu... Ça veut dire que si tu... Ça veut dire que tu peux... pour faire le max de dégâts 2 fois, bah tu devrais tenter ta chance 2 fois, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, tu peux tenter ta chance une fois et puis faire les dégâts normaux, quoi. Ça fera quand même de quand même pas mal. Ouais, de toute façon, vu le bordel que c'est entre le truc que j'ai dans les mains, je dois sortir un couteau. Moi, je trouve que c'est gérable. Hein. Pour moi, vous avez des chances. D'en venir à bout. Hein. C'est pas un adversaire complètement insurmontable. Hein. Il a ses avantages, il a ses difficultés, mais là, vous réunissez tous les ingrédients pour en venir à bout.
Mais là, je veux dire, en termes RP, je peux pas faire 36 actions au moment où il saute sur moi, quoi. Ah non, d'accord, mais bon, t'as un crucifix dans une main, un couteau de l'autre, je veux dire, ça va, quoi. Ouais. C'est bon. Hein. C'est vrai. Bon, Ouais, bah vas-y, j'utilise châtiment, ce sera fait. C'est la nuit, donc ça sera reset le lendemain. T'as droit à ton attaque en plus. Ouais, bon, bah, du coup, je vais. Tout le monde fait chacun son tour son test de combat et voit s'il a fait plus que 17. Ah, c'est vrai que c'est beaucoup de têtes. Ouais. Ah, il démarre avec 10 en habilité, c'est la stat du bouquin. Je l'ai même pas upgradé. Du coup, c'est raté. Donc, un raté. Parce qu'il concerne Tina, puisque c'est Tina, a raté, le crucifix lui vole hors des mains. Il n'a pas de blessure, mais c'était la contrepartie que j'avais décidé. Paf, le crucifix lui vole hors des mains. Les deux autres. Yva. Oui, allez, si tu veux. Super, allez, let's go. C'est dans l'ordre des cams, allez. Ouais. Ça sera esquive. 6, 18, 19. Faut dépasser 17, c'est ça? Ouais. Donc Peter esquive, du coup. Et dernier. Vas-y. Le vampire, le Turax, il est en mode je griffe tout ce qui bouge, il donne des coups de griffe à gauche, à droite, il bouge extrêmement vite, vous voyez qu'il a une agilité surnaturelle. C'est comme ça qu'il arriverait à vous atteindre chacun s'il le voulait. C'est soit t'esquives, soit tu contre-attaques, quoi. J'ai plus rien pour lui mettre des dégâts, donc. Oh, il y a plein de coups. Si, t'as découvert. Ouais, c'est bon, on n'avait pas qu'un couteau et une fourchette chacun, hein, t'inquiète. Ouais, moi je considère que vous êtes équipé, hein, je suis pas en train de compter les munitions. Ouais. Oh, vas-y, moi je vais tenter de le. Petit coup de fourchette. Je vais remettre encore un coup. Fourchette ou couteau? Avec un pic pour manger les escargots cette fois-ci. Ah, très bien. Attends. Il faut pas oublier le plus 2. Bon, parce que j'étais en dessous quand même. Mais... Ah oui, c'est vrai, j'avais même pas compté non plus. Ouais. Bon, toi, ça passait large. Donc là, ça fait 8 et 8, 16 du coup. 16. En dessous. Ça ne passe pas. Hélas. Bon, personne ne passe en fait. Personne ne passe. Peter esquive. Peter passe et il choisit de ne pas se perdre. Il choisit de se ramasser un coup de griffe malheureux. Qui va lui infliger des dégâts de créatures de type moyen. Du coup, c'est griffe. Aïe. Oups. Ah. Ça fait beaucoup là, non? Ah, ça fait 4. 4. Là, on verra la peau et les poils de chat partir. Partir en vrille, le sang giclé sur son magnifique pelage blanc, n'est-ce pas? Ça fait mal. Même si on est au milieu de la nuit. Tour suivant. Non, il y avait Peter qui. Attends, on n'a pas fait les dégâts chez Peter. Il a esquivé en fait. Il a fait une esquive. Ah, c'est une esquive. C'était une esquive, D'accord, ok. Je me disais bien que j'avais loupé un truc quelque part. Donc, nouveau tour, hein. Lui, il est chaud pour vous mettre une leçon, donc il va continuer à vous harceler. Il est loin ou pas? Si tu cherches après, tu passes juste un tour à chercher après, je considère que tu l'as retrouvé. Est-ce que je peux dire à mon lionceau de le chercher? Mon lionceau de le chercher, oui. Oui. D'accord. Ça me va. Ça me permet de faire mon action aussi, quoi. Ça me va, alors il te le ramène au tour suivant. Ok, ce souci. Attaquer aussi en même temps ou pas? Ça saute mon tour ou pas? Si, tu attaques comme comme tu voulais, et ton lionceau te ramènera le crucifix au tour suivant. 19. Oh là là. Oh là là.
Il est fort, le bougre. Mais 19, Et combien de tours là au total? Ça fait quoi, genre 2 tours? Ouais, ça fait à peine 2 tours, ouais. Ouais. Bon, de toute façon, moi je vais attaquer. Enfin, quoique. Ah non, je peux esquiver aussi, c'est mal ça. Bah, c'est... Ouais, vous pouvez esquiver, maintenant si vous faites que esquiver, vous ne le tuerez pas, quoi, ça c'est sûr. Ouais, mais 19, c'est beau. ouais, moi je vais tenter l'esquive. Hein. En action défensive alors? Ouais. Plus 2 comme ça. Ouais, du coup. Alors, 8 et 8, 16. 3. Non. 8 et 8, 16 et 3, 19. Et le plus 2, 21. Ouais, bon, bah, ça fait 23. Esquive, ok. Et bah, tiens, le petit Peter Pan, tiens. Des blagues sur le chat. Qu'est-ce que tu veux faire? Il veut lancer un sortilège, Peter. Et il va demander un point d'éclaircissement de règles, parce qu'il y a un truc qui est pas clair. Oui. J'ai le sortilège 6 qui va créer 5 doubles, oui, de moi. Est-ce qu'on récupère... En plus, c'est ça. Est-ce qu'on récupère le bonus de surnombre? Bah écoute, attends, je vais lire le texte. Hein. C'est souvent dans les... souvent dans le texte que la logique est... Le one man army, quoi. C'est qu'en soi, c'est pas débile. Hein. Bon, c'est pas banal comme sort. Hein. C'est vrai que ça peut être sympa de le sortir. Ou bien que la magie serve à quelque chose. Alors, pas besoin de composants, plus 2 points d'endurance, c'est pas cher payé pour un sort comme ça. Au combat, chaque attaque réussie contre le lanceur n'aura plus qu'une chance sur 6 de blesser l'original. Donc c'est un sort de protection, en fait. Ouais. Disparaîtront tour à tour une fois touché, d'accord. Donc chaque fois que tu reçois un coup et que c'est ta doublure qui prend à ta place, mais je dois lancer le dé pour savoir si c'est toi qui prends le coup ou pas, en fait. Même pas. À chaque fois que tu fais une attaque, c'est un double qui disparaît. C'est ça, mais je dois lancer le dé pour savoir si je te touche ou pas, quoi. Ah bon? Bah, ça serait plus logique. Six. Ouais, une chance sur 6, ouais. Ça serait trop craqué, sinon. Bah c'est déjà... Ah oui, je vois, tu refais un jet de dé pour savoir si ça... Oui, si c'est le vrai qui touche ou pas. Et à chaque tour, il y a un chiffre de plus sur le dé qui... C'est comme une roulette russe, ouais. Bah, si tu fais disparaître... Il est écrit texto, ces doublures ne comptent pas comme des combattants supplémentaires pour la gestion de l'avantage numérique. C'est écrit en toutes lettres. Ah mais je l'ai pas sous les yeux là le texte, hein. J'essaye de me rappeler des sorts. Ça, et c'est pas clair, tu fais comme si là, tu fais j'essaie genre... d'arnaquer. Non mais je me rappelais plus comment ça se gérait vu que j'ai pas le texte sous les yeux. Du coup tu le fais quand même? Ouais, parce que ça fait des coups que j'ai plus ce que je peux porter donc. Ouais. Ok, donc 2 points d'endurance. Parfait. Passe dans le orange. Bon. Combien faut-il faire? 7 assauts. Ah, mais j'en ai marre. J'ai plus de... Je perds mes dés. Il se barre. Une plus grande table. Il y a des dés partout dans le salon comme ça. C'est à cause de ton caca, là. Le caca compte pour un 6. Ah. Regardez-moi, c'est jeu fantastique. 20. Le 10. En vrai, c'est putain. Vraiment désolé. Et c'est tout, c'est toute l'horreur de lancer ses dés devant l'écran. C'est-à-dire que quand le maître de jeu lance ses dés, que tout le monde les voit, il peut plus revenir dessus. Même si c'est dans l'intérêt de ses joueurs, il peut plus leur sauver la vie s'ils sont mis sur l'adversaire. Il peut plus les arnaquer non plus. Si je dois faire des jets cachés, je dois pas les montrer, je dois dire « Ah merde, j'ai fait double 6 », mais je leur dis pas, je dis « Non, ben, en fait, il a fait double 1, j'ai critique, et puis... » Mais là, je peux pas, mais c'est ça qui est... C'est ça le piquant. Ouais, mais on sait que t'es quelqu'un de confiance, donc c'est pas le genre de trucs que tu fais...
Ouais, pourquoi faire ça? Ah oui, on commence à bien te connaître, hein, tu sais. Du coup, je récupère le crucifix. Oui. Est-ce que il refonctionne ou pas, en fait? Enfin, genre, est-ce que si je le rebrandis... Bah, il va re-être immobilisé ou pas, en fait. Tu mets pas de prêtrise, déjà? Comment? Tu as combien en prêtrise? Prêtrise? Ça me fiche. Prêtrise, j'ai 2. 2. Est-ce qu'il te reste un pouvoir divin à utiliser? Non, attends. Un divin ou un divin commun? Non, n'importe. Non, du coup. Non. Merci, t'as alors... des divins communs. Enfin, si, à part si j'utilise un point de chance, je peux en réutiliser. Voilà, c'est ça, j'allais y venir. Dans ce cas, si tu veux que ton crucifix refonctionne, tu dois dépenser un point de chance. Vendu. Alors, ça fonctionne. Alors, voilà de nouveau le vampire maintenu en respect. De 10, enfin de 20, il passe à 15. Faites-vous plaisir. Frappez-le. Mais, je considère que là, vous n'avez plus que plus 1 tous les deux, parce que Tina est hors combat, entre guillemets. Elle ne l'attaque pas à proprement parler. Ah ouais. Ouais, je joue sur les mots, je sais, mais... Oh non. Qui attaque en premier? Mais t'avais pas un truc à faire, toi? Bah j'ai fait 6, moi, déjà, normalement, là, j'ai mes doubles. Oui, t'as fait le sort, t'es juste, t'as raison, oui. Donc du coup, tu n'attaques pas non plus ce tour-ci, donc Ishazi est tout seul, donc il doit se démerder sans bonus, en fait. Ouais. C'est pas le meilleur moment pour le brandir, quoi. Bah, c'est comme toujours ça. Ah, il peut réussir, hein. Ishazi, des fois, il fait des beaux jets de dés quand il faut. 15... Ouais. Après, si je tente de lui couper un bras... Non, on va arrêter, ça marche pas. Non. Et sur une réussite critique. Non, surtout pas avec tranche lune. Non, mais je vais frapper avec les trucs en argent, moi. Voilà quoi. Double 1. J'ai frappé avec une cuillère, elle s'est pliée. Appelé double 1. Bah oui, c'était, en fait, c'est ça. Tu t'es trompé de couvert. Je pensais que c'était le couteau. Non, c'était une cuillère. Non. C'est évident. Et d'ailleurs, tout d'un coup, tu vois les sosies de Peter apparaître. Et là, tu commences à avoir le tournis. Et, t'as vraiment l'impression d'être malade d'un coup, et là tu te dis faut que j'arrête là, faut que je pose, et tu te mets un peu en dehors comme ça, tu recules, tu tombes le cul par terre, et tu es out pour un assaut le temps que tu réalises que c'est un sortilège. Ah bordel, je suis mon cul par terre avec la cuillère pliée. Ouais. Néo, cette cuillère n'est pas réelle. Elle était maudite, cette cuillère. C'est quoi ça? Tina, tu as le droit d'attaquer tout en brandissant ton crucifix. Et le... Bah, c'est un nouveau tour. Je vais donner moins 5 au vampire parce qu'il est sous l'effet du crucifix. Ah bah voilà. Ah. La cuillère maudite. Ah. Double 1, échec critique pour le vampire. On attendait que ça. Bah, quand oui. Même. C'est quand même. Mais la oui. Première fois qu'un mob fait un échec critique, non? C'est possible. Oui. Je me souviens pas que ça arrive pas souvent avec moi, mais oui, c'est possible. Ça arrive plus souvent avant, j'ai l'impression. Ça arrive souvent à nous, ouais. Ils sont balèzes là. Je dois consulter la table des échecs critiques en combat. Je dois relancer les dés, n'est-ce pas? Voilà, 6. Voilà, vraiment une tada. J'ai envie de dire, le héros fait tomber son arme. Je me dis, ouais, je suis pas un héros, donc c'est vrai que. Tu fais tomber tes griffes. Je devrais peut-être. Je dois pas. Là c'est uniquement pour les héros, je pense. Ici, c'est à moi de gérer comme je veux. Non, je verrai bien ce que je vais faire. Ok. À vous deux. Attaquez. Ok. Bah, je vais attaquer. Avec un couteau. Argent, quoi.
Oh, bah je sais, ça va lui faire perdre des points durant. Oh, c'est dommage. Putain, hein, prêt, j'ai vu le double 6 là. Non, mais c'est un... non, mais c'est, je fais 11. Enfin, je fais 11. Ça aurait été 11 ça plus été 8. Bon. Ouais. Pas loin du double 6. J'étais pas loin de l'exploit, mais bon. Ça fait un 6 et un 5. Tu fais le jet de dégâts ou du coup, ouais. Ouais. Ou tenter ta chance pour faire le max. Tu frappes avec quoi? Ouais, non, je vais faire classique. Oh, je tape avec. Un couteau, couteau en argent. Oh! Pas un. C'était la fourchette d'escargot. T'as fait 1 et c'est moins 1 parce que c'est des trucs en argent. Ouais, mais. Oui, mais il n'y a pas 0. Il n'y a pas de dégâts. Ok. Bah oui, il se prend un petit dégât. Hein. Il lui reste encore quand même quelques points de vie. Hein. Elle l'a le pauvre. Il est passé de 49 à 48 PV. Hein, okay. C'est du harcèlement là. Depuis tout à l'heure, on est là en. Et puis tard. Il a un petit truc planqué, planté dans le corps, là, c'est ça, en métal. Oui, il en a même bien. Hein. Oui, il en a, oui. Ah, parce qu'il a viré les deux autres. C'est très dangereux, je tente le tout pour le tout. J'utilise cet aspérité en métal pour lancer Zap, mon sort de foudre, pour que ça aille focus là-dessus. Zap, c'est de la foudre. Ce sort de foudre, ouais. Tu voudrais quoi, amplifier la blessure déjà causée en fait. Par exemple, ouais. Ouais. Du coup, tu utilises le pic en argent qui est planté dedans pour utiliser le zap dessus. Comme un focus, soit ça donne un bonus de dégâts. Ou je sais pas comment tu veux le gérer, je ne sais pas. Je dirais, fais-moi un test de sorcellerie d'abord. Ah ouais? Mais... Je veux bien faire, hein, mais... Non, mais c'est pas pour lancer le sort, c'est pour arriver à transformer un peu, à faire dériver un peu le... Ah, ouais, le sort. Ouais, d'accord, je vois ce que à personnaliser un petit peu ce que je suis en train de faire. Normalement, ça va passer en sorcellerie. Par contre, ce que ça peut faire, parce qu'un tel sort, c'est quand même une projection, même si ça ne le blesse pas parce qu'il est immunisé à tout dégât autre que l'argent, ça peut le propulser ou le mettre au sol ou quoi. Ça peut faire quelque chose d'intéressant dans tous les cas. Ça passe en tout cas. Donc ça réussit. Ouais. Ouais. Ouais, tu arrives à te concentrer suffisamment. Pour dévier le sens premier du sort, qui est en fait de causer des dégâts sur la base de la foudre. Ici, tu vas canaliser la foudre sur grâce à l'argent, et tu vas essayer de décupler le potentiel surnaturel de l'argent, qui, je rappelle, est un métal qui vit entre deux mondes, entre le monde des morts et le monde des vivants. Donc ici, tu vas essayer de réveiller tout le... De déchirer la porte entre les deux mondes. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Allez, ça c'est quelque chose de ce goût-là. Ouais. Donc c'est 4 points d'endurance, tout ça. Ouais. 4 points d'endurance. En plus, il est sous le joug d'un échec critique. Malgré tout, tu dois lancer 3D pour calculer les dégâts potentiels. Et en fonction de ça, on verra bien ce qui se passe. C'est vrai que la dernière fois, t'avais fait du caca avec tes 3D. 3D6, ça, ce foutu sort. 3D6 dégâts. 7. 7. Ouais. Vous voyez tous des éclairs jaillir d'un des duplicata. Le vampire est frappé de plein fouet, il est foudroyé, il y a de la foudre qui lui ressort par les yeux, les oreilles, il a les cheveux dressés et... À l'endroit où il avait reçu, je ne sais plus si c'était un couteau ou une fourchette, mais ça brille, ça vibre. Et là, c'est tout son corps qui commence à se craqueler. Il est encore, on va dire, il est encore sonné pour le tour suivant. Il va encore souffrir d'un malus supplémentaire. Je vais lui mettre moins 7. Malgré tout, il est coriace, il essaye de bouger, et là, il va essayer de dégainer
Ah oui, c'est vrai qu'il a, il a plus d'épée. Lui... Ah bah si, il a toujours... Si, si, il va, oui. Il va dégainer une épée. Oui. Parce que vous lui en avez laissé au moins une. Il va en dégainer une. Et c'est l'épée de feu. Merde. Comme je suis gentil avec mes personnages, je vais lui ajouter sa compétence d'épée, que j'imagine là comme ça. Il doit y avoir 3 en épée. Donc il partirait d'une base de 13 moins 7. Ce qui est quand même pas fou. 6. Ah 6 et 6, ça nous fait 12. C'est pas insurmontable. Hein. Clairement pas. Il va, donc il dégaine son épée. Et il va essayer de viser un des batraques, comme ça, au pif, évidemment. Allez, donne ton chiffre, déjà, pour savoir si c'est toi qui touchera, s'il te touche. Le chiffre de moi ou... Ouais, entre 1 et 6, dis-moi un chiffre. 1. Donc d'accord, si je fais autre chose que 1, il ne te touche pas. Ah, il ne te touchera pas. Ah, il a frappé juste à côté, là. C'est une goutte de sueur, là. Il reste impassible, mais t'as la sueur qui coule sur le côté. Bah, c'est le nouveau tour, donc il a fait son test, il a fait 12, donc vous pouvez faire au-dessus pour le toucher. Vous êtes de nouveau tous opérationnels, si je ne m'abuse. Ouais. Et vous pouvez avoir votre bonus de plus 2. Allez. Il y a moyen de le finir. Oh. Du coup, c'était quoi l'effet de son échec critique de tout à l'heure? Et il s'est pris des dégâts en fait supplémentaires avec le crucifix. Ah, okay. Ouais. La foudre. Passe large. Ah, bah c'est mieux ça. Bah 2. Le pic à glace en argent. 2 du coup. Oh. Il a de nouveau un couteau ou une fourchette plantée quelque part. Et il continue de hurler, de maudire toute sa lignée. Ah, pourquoi suis-je là? Le remake de la trahison de César, il se rend des coups de couteau non-stop. Je ne peux finir ainsi, cela ne se peut. Et il donne des coups de griffe partout, il grogne. Et... Qu'est-ce qu'il reste à faire un jeu Ishazi? Vas-y, Peter d'abord Peter. Et après moi. Ouais. Oui. Allez. Et l'ordre des cams. On va faire dans l'ordre des cams. Passe. Ouais. Les gars. C'est vrai. Un. Trois. Ça fait un dégât. Un dégât. D'accord. Ok. Vas-y. Le combat épique à coup de fourchette. Il jette des dégâts. Il n'est pas dépassé. Oh, il a fait. Eh ben. Enfin, ça passe large. J'ai 18. Non, attends. Mais ça passe, t'inquiète. Ouais, c'est ok. Du coup, les dégâts, des 6. Bien joué. Ah. T'es fort sur les 1 toi ce soir. Hein. C'est... La cuillère qui était cassée, il y a un petit côté qui est coupant, je le plante. Ah mais t'as au taquet de chance, tu peux utiliser ton pouvoir de chance pour passer à 7+. Mais c'est trop tard de toute façon. Ouais, là c'est... Est-ce que Tina peut me faire un test de vigilance? Allez! À moins 2. Ça partait bien, hein. Allez, à moins de... En opposition. Ouais. Mais je te dis pas à quoi. Donc moins 2, hein, tu m'as dit. Mm-hmm. Ça fait 13. 13. Aïe, aïe, aïe. Léger. Pas assez. C'est moins 2 qui m'a mis dans la sauce. Tadam tadam tam tam. Tu sens une vive piqûre dans l'épaule. Quelque chose vient de te mordre.
quelqu'un derrière toi. Je m'éloigne par réflexe. Mais là, je me retourne. Tu te retournes en même temps, tu la reconnais. C'est celle-là même qui devait être morte dans les flammes. Je vais la faire. Oh putain, il y en a deux. T'as pas oublié, elle est revenue te chercher. Hein. Les yeux injectés de sang et en colère. Et les crocs sortis. Et ne te laissera pas tuer son cher papa. Bah, je lui montre le crucifix. Ah bah, évidemment. En plus, comme elle, c'est une jeune vampire. Ah bah, c'est vrai que l'autre, c'est un jeune vampire aussi, finalement. Ils sont tous... Au secours. Qu'est-ce qui m'arrive? Alors, Ishazi et Peter. Ça m'a enlevé de la vie ou pas, ce qu'elle m'a fait, là? C'est quoi, c'est une deuxième morsure ou c'est... Oui, pardon, je t'ai pas dit, c'est 3 points. 3 points. Ah ouais, quand même. Pas cool, ça. Pique. Ok. Toi, tu demandais ce qu'on faisait, c'est ça? Oui, je ne sais pas. J'ai tendance à perdre le fil aussi quand les combats deviennent. C'était. Tu disais Ishazi et Peter, donc en fait, tu voulais savoir qu'est-ce qu'on faisait suite à la réaction ou savoir si on attaquait. Ah, enfin. Score de combat, non, parce que là, vous n'êtes pas encore dans cette phase, dans ce qui arrive à Tina, vous nous en rendez pas encore compte. Bah, là, j'attaque le baron. On est toujours sur le moment où il a fait 12, hein, je crois. Non, tu peux relancer les dés. On est tous passés là. Ah oui, vous avez déjà fait ce dégât, je dois encore relancer pour le vampire. Ouais. D'accord. Il y a toujours son moins 7, ouais. Donc ça nous fait 11. Après, il a plus 3 à l'épée, non, c'est pas ça? Je sais pas si tu l'as mis dedans. Mais... Ah oui, c'est juste, si tu as raison. Du coup, ça fait 14. Ouais. 14. Il me semblait que, quand, enfin, à recalculer, il me semblait que tu avais déjà mis les 3 points à l'épée, mais... Ah, c'est possible que je... Parce que, il a 10 de base. Moins 7. Ben non, hein, c'est ça. Moins 7, ça fait 3. Il a un score de 6 de base, ouais. Et 3 avec l'épée, ben, ça fait 6. Okay. Et là, il a fait 8, donc ça fait 14. Non, c'est juste. 15. Et bonus de plus A, ouais. Okay. On fait les dégâts. Je vais utiliser le pouvoir de chance, là. Ouais, vous êtes à 3 contre 2, maintenant. De toute façon, ça passe, ça passe quand même. Ouais. Ouais, il a fait 15. J'utilise mon pouvoir de chance pour faire max dégâts. Ok. Mais c'est pas utiliser le pouvoir de chance, c'est faire un test de chance. Ah, c'est pas pareil. Oui. C'est pas aussi facile. Alors non, je le fais pas, alors. Ah oui, parce que... Ouais. Ah. Bah, c'est un peu dommage. Honnêtement, utiliser un point de chance, c'est super cher, quoi. Donc en plus, si tu dois tester ta chance, ça irait peut-être plus vite pour une prochaine fois. C'est vrai que ce serait bien d'abolir ce système et de faire plutôt utiliser un point de chance. Ça irait peut-être plus vite et ce serait. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. 2 dégâts. Oh, t'as 4 moins 1. Mais là, il commence vraiment à avoir des plaies bien ouvertes, à avoir des parties de son anatomie qui sont visibles. Il y a toujours la foudre crépitante là, qui jaillit de tous les côtés et qui le déchire de l'intérieur. Ishazi. Allez, Ishazi, c'est ton moment, là. Faut pas faire 2, hein. Bah, ça passe aussi, hein. Et 15. C'est sur 15, c'est ça? Ouais. Bah, c'est sur 14, faut faire plus que 14. Ouais, ça fait 15. Ouais. J'ai de dégâts. Je crois qu'il donne 1. 1 1 1 1 Vous le mettez à genoux. Vous le mettez à genoux. Et il hurle. Non. Je vous ne mourrai pas. Et là, vous sentez qu'il... il reprend sa cape. Vous sentez qu'il va tenter le coup de se transformer sûrement en chauve-souris et de s'envoler pour être hors d'atteinte. Vous le sentez venir, ce coup-là. Moi, de toute façon, je tiens l'autre avec le cri.
Et donc, pendant ce temps-là, vous remarquez que... soit vous prêtez attention à Tina et son nouvel adversaire, soit vous mettez le paquet pour, au tour suivant pour empêcher le baron de partir. Mais ce sera plus compliqué parce que vous devrez vous battre contre une chauve-souris. Elle est beaucoup plus petite, elle va être difficile à toucher. C'est vous qui voyez. Tu veux le finir, Isha ? Ah ben ouais, j'aimerais bien. Ok. Je peux tenter le tout pour le tout, hein. Ça va me ramener à PV, mais... Tu veux tenter quoi ? Ben, je vais le réimmobiliser au moment où il veut s'envoler. Ah si, tu l'immobilises et que t'arrives à l'immobiliser, ouais. J'ai toujours le droit de tenter sa chance pour ça, mais je vais considérer qu'il a moins que d'habitude pour résister. Si ah, ça va être chaud, maintenant il ne reste plus que 3 points de chance. Hein. Ah non, c'est sa chance lui. À lui, ouais. Ouais. Si tu réussis, c'est bien. Moi, je prends le pieu et je l'achève, quoi. Ah, là-dessus. Malheureusement, même avec son malus, il réussit. Et... Malus, hein. Bah, la chance pour la créature, c'est son habileté. Son habileté est 10, je vais mettre à 2. Ça diminue pas quand il utilise sa chance ? Non, bah, c'est de la seule problème. Ah, ouais. C'est vrai. Arnaque. Lui, c'est arnaque. Du coup, tu perds quand même ton PV. Le combat ne fonctionne pas, le combat continue, donc vous pouvez quand même... Ishazi peut quand même tenter de l'achever. Probablement qu'une seule blessure suffirait à l'anéantir. Ouais, il pourra tenter sa chance au pire, si ça touche. À mon avis, au moins deux plutôt, pas un. Quoi. Au moins deux. Vas-y. Alors, hop. Alors, du coup... Sous forme de chauve-souris, il va plus avoir de malus. Voilà, il fait 16. Moi j'ai fait 15 et du coup il n'y a pas de surnombre. Ouais, 15 ouais. Il n'y a pas de boss. Bah, si, c'est surnombre ou pas surnombre? Bah, il y a moi et. Ah, moi non. Et Ishazi. Ouais. Bah, Tina maintenant elle est avec un adversaire bien spécifique. Ou plus 1 quand même. Ça fait moi et Ishazi donc il. Ouais. Bah, alors, à ce moment là c'est égalité. Ça fait 16. Bah même si ouais, ça ferait égalité, et ça, il ne passerait rien, donc ça ne changerait rien non plus. Donc la chauve-souris va pouvoir s'envoler. Merde. Pas le prix. Et là, il vous reste un adversaire. Donc... Je vous propose peut-être qu'on fasse la pause. Allez. Ouais. Pause s'impose. Mais si tu veux qu'on parte sur ce plan-là, on peut, mais il faut... C'est pas une obligation, c'est une proposition. C'est quoi le plan ? Ça me coûte virtuellement rien de le faire. Bah, en gros, on se disait que là, Jana, elle va sûrement se barrer. Mais elle est encore immobilisée par Sifi, mais pas longtemps. Du coup, est-ce qu'on pourrait pas lui faire un charme d'honnêteté et puis lui poser une question qui pourrait nous servir, quoi. Oui. Bon, après, c'est... J'ai des doutes sur la question, oui. Mais... Ouais, il suffit de lancer le jet de dés pour faire le charme, c'est bon. On part du principe qu'on a le droit à une ou deux questions si les réponses sont très courtes, on sait pas trop, donc... Oui. Faire ça comme ça, change la musique. C'est toi qui le fais ou... Paf. Ouais, qu'est-ce qu'on met? Bon, je sais pas... Mystère. Allez. Oui, je le fais. Bon, allez, je vais le faire. Si tu pouvais ne pas faire de faute, ça me ferait cool. Oh, vite fait, je vais couper le radiateur. Tiens, les soldats, là, quoi, j'avais entendu... Ils ont dû nous entendre, non. Test c'est réussi, je suppose. J'ai pas encore fait. On était en mode DJ 2000. Oh, succès critique! Bah, bravo! Bravo!
C'est quoi ton numéro de téléphone, Jana? Alors, quelles sont les questions? Bah pourquoi, pourquoi ton père t'a vampirisé toi et pas deux autres filles? Pas des soeurs, ouais, et pas les demi-sœurs. Je regarde mi-effrayé, mi-effrayant. Mais parce que je suis sa seule fille à ses yeux. Oh non, me dis pas que c'est les deux autres qui sont en fait les filles légitimes et que c'est elle la vraie. Elle a dit à ses yeux. À ses yeux, ouais. Mais c'est bien ça, c'est que c'est la fille de la du baron et de la prêtresse d'Almor en fait. Ouais. Comme ça vous l'avez bien compris ça. Ouais. Ouais, c'est plus. D'ailleurs maintenant que vous avez vu la mère en vrai, bah oui, vous ne pouvez que noter les points communs au niveau de l'apparence physique. C'est évident. Si tu veux, je sors mon tableau, hein, je l'ai toujours. Hein. À côté. Ah ouais, c'est elle. Hein. Ah ouais. Attends, la question qui suit, c'est quoi les plans de votre père? Je dois réfléchir. Parce que le sait-elle seulement? Est-ce qu'elle sait son niveau? Je ne sais pas. Mais il veut se débarrasser du maire. Vous savez pourquoi? Suppos du mal ne peuvent cohabiter. Et pourquoi le cultiste a eu accès au corps de votre demi-sœur? Elle te regarde avec des grands yeux quand même parce qu'elle sait pas trop de quoi tu parles. Et elle commence tout doucement à reprendre. Elle n'est pas non plus hypnotisée, mais donc ouais, on va commencer à s'énerver. Est-ce que Ishazi a vraiment sorti le portrait? Bah ouais, à la limite. Ouais. Bah là, par contre, elle va marquer un temps d'arrêt. Elle va s'approcher de l'image comme si elle s'approchait d'un, je ne sais pas. D'un... Elle renifle. Elle regarde. Elle touche. Je suis à cœur avec vous. Ça vous parle ce tableau? Elle se retourne vers toi, elle sort les crocs. Ah merde. Non, rien, pardon. C'est... Moi, je vais être honnête à mon tour, hein, même si elle commence à récupérer ses esprits, je vais lui dire que le corps de sa demi-sœur a été utilisé par le cultiste pour faire une créature immonde dans un sort complètement dégueulasse. Et ça m'étonne. Voilà, elle vous crie tous... Elle vous crache presque au visage en montrant ses crocs, et puis elle va faire comme son père, se transformer en chauve-souris et foutre le camp. On n'a pas appris des masses de trucs.
Ah, c'était pas la personne la plus au fond. Oui, oui. Ouais. Mais c'est pas grave, mais peut-être qu'en apprenant des trucs à Jana qu'elle savait pas, ça peut-être foutre le bordel voilà, de leur côté. Ça, par contre, j'en tiendrai compte, oui. Ah, tout est bon à prendre. Hein. Oui. Bah oui, bon, puis c'était relativement gratuit. Alors maintenant, tu voulais dire quelque chose? Ouais, est-ce que... parce que, comment, il y avait quand même une... Enfin, Ishazi, il a quand même entendu une pseudo-troupe oui, qui se rapprochait de nous. Ouais. Est-ce que... Qu'est-ce qu'il en est de ça? Bah oui, si vous restez... ou si vous allez à leur rencontre, entre guillemets, vous finirez par voir une troupe d'elfes avancée, quoi, oui. Certains sont à cheval, d'autres à pied... Ouais, on peut toujours aller les voir, juste pour leur donner les infos de ce qui se passe dans les environs. On peut finir la nuit aussi. C'est le matin. Ouais, c'était la troisième partie de la nuit, ouais. C'est quoi, on va les voir? Ce serait l'idéal, ouais. Bonne idée d'aller les voir. Bah, on veut te savoir. Pas une mauvaise idée, ils sont pas méchants. On va jouer incarnent... diplomatique. Les elfes incarnent la créature du bien par excellence. Ah ok. Dont la vocation est quand même de combattre le mal. Chez vos morsures quoi. On a essayé de contraindre de ralentir le vampire, donc à partir du moment où on leur explique. Si vous allez à leur rencontre, une petite délégation va vous. Va venir vers vous aussi. Et les responsables de la troupe seront ravis de vous entendre. Ouais, on fait ça. Ouais. Comme on a vu la vieille femme dans la forêt aussi, enfin voilà, il y a... On sort pas de nulle part. Je sais pas que ça va les mettre en confiance, mais ça va pas les mettre non plus en porte-à-faux, quoi. Bien. Eh bien, vous rencontrerez un dénommé Endris. Un elfe, tout ce qu'il y a de plus... on va dire de plus rustique. Longs cheveux éclatants. Le style montagnard, donc un petit peu plus... peu plus musclé avec un bâton de berger, qui sait si ce n'est pas un bâton magique. Bah, il est entouré de ses conseillers, on va dire. Il y a sûrement un ou une prêtresse de Galana dans le tas, un ou deux guerriers de haut rang. Et peut-être lui-même est-il magicien ou quelque chose comme ça. Peut-être lui demander s'il a pas un prêtre, une prêtresse de Galana à prêter. Cache. Ça paraît un peu gros, mais enfin bon. La première question qu'on va vous retourner, c'est pourquoi faire. Et on va d'abord vous demander pourquoi faire. On ne sait jamais. Soigner quelqu'un. Je vais répondre, ouais, raison prioritaire, remettre sur pied l'ancienne prêtresse d'Almor. Si vous sauriez m'aider à lever une malédiction aussi qu'on m'a posée, je vous dirais pas non. Pour la malédiction, il dit qu'il peut y réfléchir. Bien que... Il doit évaluer. C'est pas lui qui va le faire, c'est son prêtre. On verra s'il a le niveau. Mais il va tenter. Pour la prêtresse d'Almor, bon, elle dit quelle est cette prêtresse. Quel est son nom. On peut dévoiler un truc comme ça. On peut dévoiler. Quel est son nom? Question à 2000 balles. Quel enfoiré. Bon,
On lui a jamais demandé. Bah justement. On l'a quelque part, mais putain, il faudrait tellement que je revoie mes notes, quoi. Et Jacqueline. Ça doit être écrit sur le tableau que tu as. Il choisit. En général, c'est écrit sur le bois du cadre. Pas du sur la toile. Il écrit quoi sur le bois du cadre? Non, la prêtresse. On parle le nom de l'artiste, là. Madame, la femme de la baronnie... Non, moi je l'ai plus. Attendez, monsieur, on regarde dans les archives. Ne paniquez pas. Le soleil se couche. C'est Madame Chasteline. Madame Chasteline. Madame Chasteline, toi. À défaut de mieux. Les Chastelines ne sont plus. Nous serons à leur place. Ah. Oh, vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous venez faire quoi? En fait, vous venez faire quoi ici avec votre troupe? On nous a signalé la présence de créatures maléfiques. Nous venons les détruire. C'est ce que nous a dit la vieille femme qu'on a rencontrée dans la forêt, qui nous a conduit à cette prêtresse, justement. Ah, alors vous connaissez la prophétesse? Ouais, elle s'est pas présentée. Elle a dû vous quitter un message. Visiblement. Oh, elle ne dit jamais son nom. Ouais. Pour cette prêtresse, je ne me rappelle pas de son nom. Par contre, si ça peut vous aider, elle était particulièrement âgée. Elle n'est peut-être même plus d'une génération d'Arnumar. Une génération d'elfes, j'imagine que oui. Mais c'est peut-être ancien. Très ancien. Je n'ai ici que deux prêtres. Et je dois les garder au cas où les créatures des ténèbres nous blesseraient. Je comprends bien, là, on vient de faire une rencontre là maintenant. Je peux vous dire que je suis encore en train de transpirer là. Pendant ce temps-là, il y a l'autre prêtre qui va évaluer ta malédiction et qui va faire un signe de la tête en disant qu'il n'est pas assez fort. Ok. Bah, merci d'avoir regardé. Ils peuvent soigner les blessures, vite fait. Alors, ils ont un prêtre pour soigner les blessures et un prêtre pour soigner les maladies. C'est les deux prêtres. Tu peux soigner les blessures. Ouais, je peux faire guérison, mais j'ai plus mon pouvoir divin. Enfin, guérison, mais là, s'ils sont dispo, ils seront peut-être compétents que moi. Il y en a un qui peut éventuellement... si vous avez vos blessures... Ah oui, blessures, moi, c'est vrai que Peter est en sale état. Oui, là, pour un état critique comme celui-là, ouais, il va le faire, ouais. Ok, bon, je demande si... Il y a quelqu'un qui peut soigner Peter, quoi. Je lui dis, écoutez, plutôt que d'utiliser son pouvoir de guérison, il va te donner une potion. Ok. Alors, je vais récupérer. Bah, je le remercie plus qu'humblement. La bois direct, du coup. Vas-y, tu sec. Ouais. Ouais, bois-le, parce que sinon, ouais, tu vas te faire insulter. Lui, à chacun. Non, pas une potion, mais... Enfin, c'est une espèce de potion de soin, mais... pas une potion de vigueur, mais une... un onguent de soin, ou je sais plus comment ça s'appelle, ma livre de base, un truc. Ah, ça, ouais. Ça vous ramènera 4 PV. Donc du coup, c'est 4 PV pour Peter, ou c'est 4 PV pour tout le monde? Non, Peter, il récupère tout avec sa okay. potion qu'on lui a donnée. Ah, ok, d'accord. En plus, ça... À chacun d'entre vous, il donne 4 PV.
une espèce de crème ou un baume. Ok, longueur de soin et une potion. Il permet de récupérer 4 points. Je lui dis bien que ça tiendrait qu'à moi, je les accompagnerais pour combattre le mal, mais du coup, il faut qu'on aille à la rencontre d'un... T'as une mission plus urgente. Ouais. D'un ermite ou quoi pour remettre sur pied cette prêtresse d'Almor qui va nous aider à combattre le mal. Tu dis un ermite, il fronce un peu les sourcils et il te demande de quel ermite s'agit-il. On connaît que la direction, on connaît pas son nom. Oui, on note pas les noms des gens, nous. Elle nous a pas dit grand-chose, là. L'oracle nous a envoyé en mission, c'est une mission, comme on peut le constater, il n'y a pas de nom. La région que je connais est une créature peu fréquentable. Ah bon ? Je vous déconseillerais vivement de faire recours à... d'avoir recours à ses services. Le problème, c'est qu'on n'a plus trop le choix. C'est noté, mais on n'a pas le choix, ouais. Bon, on n'a pas le choix. Que vous gardiez vos prêtres pour la bataille, c'est très sage comme décision. Bon, ils ont mais été sympas avec nous, est-ce qu'on est sympa avec eux aussi? Nous, on a assez foiré de notre côté, il faut qu'on fasse le maximum pour que le bien puisse l'emporter, donc on prendra le maximum de risques, même si c'est des biens. Vous êtes maître de votre destin. De toute façon, on leur donne des infos aussi sur tout ce... les vampires et sur les cultistes. Ouais, mais il faut qu'on dise que les vampires et les cultistes qui se battent, et qu'ils ont foutu le boxon dans le village, c'est pas nous. Ouais, bon. C'est eux avec leur guerga, la petite guéguerre à l'intérieur. Surtout les vampires, attention, hein, le vampire n'est pas tout seul. Ils sont au moins deux, et je pense qu'ils sont même plus que ça. En gros, ce qui vous laisse sous-entendre, c'est que le vampire, c'est la nouvelle du jour, ils étaient pas... C'est la nouvelle qu'ils ont eue avec le message de votre hôte, là, que la prophétesse. Ouais. En ce qui concerne le culte de Sith, ça, ils étaient au courant. Parce qu'ils disent, ça fait un moment qu'ils surveillent ça. Voilà. Et donc, ils savent, ils vous apprennent, ils vous disent, soyez vigilants, parce que le culte de Sith est présent dans la région, dans les montagnes, et que ils ont déjà été amenés à lutter contre... même contre des cartes présents dans les montagnes. Ok. C'est chou. Par hasard, vous sauriez où j'ai une chance raisonnable de croiser le cultiste, parce que si je m'en débarrasse, je me débarrasse de ma malédiction. Tu parles du bourgmestre, oui. Ouais. Ils parlent, ils chuchotent entre eux. Et puis... le prêtre qui a essayé de te soigner te demande « c'est donc l'ancien bourgmestre de Chastepré qui est à l'origine de votre malédiction ?» Oui. Nous ne savions pas qu'il était si puissant. Nous détenons présentement à Ruche d'Or. Ah. Il est... en train d'être questionné par nos espions. Ok. Tant qu'il ne nous aura pas raconté tout ce qu'il sait, nous avons besoin de lui vivre. Ah oui, mais s'il meurt pendant vos interrogatoires, je vous en jetterai pas la pierre, hein. J'aime bien rajouter. Faites-le souffrir, lui limite, allez-y. Donnez-vous à fond. Bah, ils ont un prêtre, tu vois, guérisseur à côté de lui, tu vois. Qui le ramène à chaque fois avant que... Ah, mais moi, c'est une bonne vengeance. Je me réjouis. J'ai un sourire là qui fait trois fois le tour de mon visage à entendre ça, quoi. Tiens, passez un message à vos espions qui le torturent et dites qu'il a un bonjour de la part de Peter. Bon, on va essayer de clôturer ça. J'imagine que vous n'avez plus grand-chose à faire avec eux. Non, le partage d'infos est fait, donc on peut continuer notre chemin, quoi. Mm-hmm.
Ah si, je leur dis aussi la planque du vampire. Potentiellement, il est retourné là-bas. D'accord. Donc, il y a ouais, peut-être je une chance. Je considère que vous avez partagé tout ce que vous savez. Ouais, on leur a donné la totale. Voilà, ça va leur être profitable. Les couverts en argent, je les garde. Il y a des villageois qui ont été mordus aussi, mais ils y peuvent rien. Donc à mon avis, il faut les isoler le temps que ce soit réglé. Ça sera moi qui interviendrai, je les tuerai pas. Ils vont aviser. Ils sont là pour pacifier, donc à mon avis. Ah, y a plusieurs types de pacification. Mais... Pacificateur, tous les moyens sont bons. Hein. Alors. On reprend la route, du coup. Ouais. Oui. Votre ami, l'elfe obscur, avait. Vous avez touché quelques mots à propos d'une lézardine qui connaissait. Oh, ça serait l'ermite. Ah. Ben. Ça pourrait. C'est ouais. Pour ça qu'ils l'aiment pas, peut-être. Qu'ils disent que c'est quelqu'un de pas très fréquentable. Ça pourrait. Yes. Mm-hmm. De ce que vous savez des lézardines, c'est des créatures qui vivent seules, qui voyagent de manière périodique, c'est-à-dire qu'elles restent dans une zone pendant un moment, et puis elles partent, on n'en entend plus parler, et elles ont disparu comme par magie. On dit qu'elles voyagent à travers le brouillard aussi. C'est des vendeurs, des marchands, c'est des marchands de breloques magiques. Et donc, fatalement, puisque ce sont des marchands, elles vivent du commerce, et donc elles ont besoin d'être vues. C'est bien beau de vivre en ermite, mais vous partirez du principe que elle va se laisser trouver, si vous la cherchez. Ok. Il va y avoir limite une pancarte ou quelque chose qui indique qu'elle est là, sinon elle pourrait pas vivre de son travail. Mais, disons qu'elle est suffisamment bien planquée pour ne pas être vue du commun et qu'elle est suffisamment visible que pour être vue de ceux qui la cherchent. On va dire ça comme ça. De toute façon, il y avait une illusion d'optique aussi qui amène la route de l'allée, donc... ouais. Et donc, vous allez emprunter les sentiers existants, les sentiers qui passent par la montagne au niveau de Ruche d'Or. Quand vous allez passer au niveau de Ruche d'Or, vous allez vous rendre compte que les elfes sont présents, que l'armée elfe est présente et que vu la façon dont elle est présente, c'est clair, le territoire au niveau de Ruche d'Or, c'est chez eux. Il y a leurs étendards, il y a leurs chevaux qui patrouillent. Ruche d'Or ne fait plus partie de la baronnie, c'est évident. Ok. Vaut mieux des elfes que des cartes. Alors évidemment, bah, vous comprendrez tout de suite pourquoi on appelle cet endroit Ruche d'Or. Hein. Vous tomberez régulièrement sur des ruches, aussi bien des ruches naturelles que des ruches d'apiculteurs, en fait. Donc il y a quand même une sacrée quantité d'abeilles dans la région. Et malheureusement pour vous, dans Défi Fantastique, les abeilles, c'est comme les araignées. Il y en a différents modèles. Des petites à des très très petites et des très mignonnes tout kawaii qui font des gros poutous et des câlins. Ouais, exactement. Si c'est le même modèle que le scorpion, là... Non, le tout scorpion tout petit, on avait galéré. Puis ces petits, pire c'est. Mais bon. Tu dis qu'il y a des ruches de ça là-bas ? Non, sérieux. Un miel spécial, hein. Bon, allez. Je vais faire l'économie de... Je vais faire l'économie d'un combat, peut-être. Ah, oh, bah la guêpe géante, c'est sympa. Et la guêpe géante, c'est géant. Hein. Je vous montre juste. Elle prend carrément un humain entre ses pattes. Elle sent oh, là, c'est... Je crois que c'était une femme guêpe, quoi. C'est un humain dans une guêpe, ouais. Okay. Ouais. Voilà. Ouais, te pique, t'es mort, quoi. Oh, tout de suite. C'est pas très fort, par contre, elle a un poison qui est assez virulent, mais...
Ouais, c'est bah, allez, je vais en faire attaquer une pour le plaisir. Hein. Allez. Patina, t'es mis une poison maintenant. Hein. Ah non, oh. Ouais, à chaque fois, je prends tarif, là. Calmez-vous. 1 et 2, c'est Tina. 3 et 4, c'est Peter. Et 5 et 6, c'est Ishan. Voilà. Putain. Yes. Écoute, que la guêpe attaque le personnage le plus fort du groupe, moi, ça me paraît naturel. Là, ah, vous entendez son horrible bourdonnement, là. Voilà, fallait pas avoir un parfum de miel. Bon, elle fait 13, c'est quand même pas la mort. Ouais, bah, je sors mon bâton. Ah oui. Bonk. Bonk. Tu vas la chasser d'un coup de bâton. C'est bon. Aucun problème. Ah, évidemment, ça l'énerve d'autant plus. Hein. Elle sort son dard. Mais bon, les guêpes géantes ici, c'est de la fantasy. Elles ont un dard permanent, on va dire. dard utilisable plusieurs fois. Est-ce que le cas des guêpes? Techniquement. Ouais, c'est les abeilles qui perdent en piquant. Il n'y a que les abeilles qui perdent leur... Ouais. Il doit y avoir plusieurs espèces qui ont ça, mais... Que il y a peut-être plusieurs, il y a peut-être aussi plusieurs types. Ah, les bourdons, mais enfin, bourdons, l'équivalent. Je sais pas si le bourdon, ça fait ça aussi. Je fais 14. Je fais mes dégâts, en fait, avant ou pas? Je sais pas si... Ah, pardon, oui. Bah, je croyais... Oui, Enfin, je sais pas si... Enfin, si c'était juste pour le faire fuir ou si c'est vraiment un combat, quoi. Non, si, c'est un petit combat qui va pas durer longtemps. Tu fais juste les... Ouais, juste les dégâts. En deux coups, c'est plié. Ça fait 3 PV. Ouais. Deux coups de dard, c'est plié, ouais. Du coup, après, t'as fait 14. 16, ça peut être plié. 16 plus 2, 18. Tu étais en train de tabasser la guêpe. Et je fais 2. Je fais 2 PV, après. Elle est pas aussi résistante qu'elle en a l'air, et elle tombe au deuxième coup. Je souffle sur mon bâton. Si vous voulez, vous pouvez récupérer son venin. Pour en faire un poison. J'ai rien pour le contenir. Donc... Alors moi, s'il y a moyen de faire un antidote, je le prends. Si c'est pour faire un poison, je... Ah, sur la lame d'une épée ou d'une dague, ça pourrait être très très bien. Bah, ça, vous y réfléchirez après. Dans tous les cas, vous pouvez prendre le... de la guerre, après vous direz ce que vous faites avec ultérieurement. Notez-le hein, si qui vous le prenez. Le venin, oui. Moi non. Bah, oui. Toi ou Ishazi. Non. Bah, toi, Peter. Putain, bah écoute, je vais pas en mettre sur mon bâton. Hein. Il fait un test de vigilance. Ou de connaissance des... Bon, il n'y a pas connaissance des montagnes, en fait. Il y a monde. Il y a monde. Non, bah non. Bah, nous, on ne l'a pas. Il y a connaissance de ce que tu veux dans Défis Fantastiques, mais... Soit vigilant, soit connaissance des animaux. Bah, je vous laisse... Soit Chazy, soit Peter, mais on va dire j'étais occupé. Connaissance des animaux, j'ai pas. La chasse? Ouais. Mais chasse, c'est plus 1, quoi. Sinon, c'est Peter qui le fait. Hein. C'est connaissance de quoi? Les animaux, j'ai pas. Et, ou vigilance. Ou vigilance, j'ai pas vigilance non plus. Et t'as 3 vigilances, ouais. Choisis donc. Vas-y. Bon, vas-y, choisis. Vous connaissez ma propension à faire léger de dés, hein, donc. Non, mais il a pas vigilance, choisis. J'ai pas vigilance. C'est toi qui l'as, Peter? Non, moi j'ai pas vigilance. Ah, y'a que moi qui l'ai? Ah, c'est toi qui as 3. Ouais, c'est moi qui ai 3. Merde! Donc, du coup. Bah, si tu veux que je fasse le jet Vanilla, je le fais Vanilla. Ouais. Allez, Vanilla. Allez, c'est pas un peu. C'est un échec. On est fixé. On va vous laisser faire des jets de dés ou. Ouais, ah, je vous l'avais dit, hein. C'est pour ça qu'on peut pas les faire. Non, c'est vigilance qui fasse le test. On n'écoute pas. Ah bah elle veut pas. Ah mais non, mais moi j'étais occupé. Mais non, mais ça peut se faire après ça. Ouais, non, mais vas-y, faut que les gens ils jettent les dés, faut que tu t'envoies la star parce que bon.
Ok, c'est ma chaîne, mais bon, voilà, on est une équipe quand même. Alors, au bout d'un... Ouais, vous continuez votre route et vous essayez de chercher après la... ce qui pourrait être la lézardine. Et, là, vous quittez les sentiers, vous explorez un peu, vous finissez même par vous séparer pour vous rejoindre après, pour rendre compte de vos explorations. Et, c'est pas clair, vous avez repéré des traces de vie quelque part, une espèce de campement, puis une petite cabane abandonnée, puis vous avez l'impression d'être suivi. Merde. Donc elle nous suit depuis le début. Ça me paraît très bizarre. Mais... Après... Voilà. Ouais, de toute façon, la seule indication qu'on a eue sur où elle se trouvait, c'est qu'il fallait pas suivre le chemin principal, il faut aller dans les zones où c'est pas accessible. Une zone qui a pas l'air accessible, mais on peut la passer facilement à cheval. Oui. Bah oui, ça vous a permis d'éliminer. Je considère déjà que vous avez éliminé toute une série d'endroits et que vous êtes dans le périmètre. Et pas dedans. Que peut-être qu'il vous manque une petite indication. Est-ce que vous auriez une idée de comment le trouver? Ouais. Il y a des informations que je vous ai données. Ah. Sans chercher midi à 14h. Un coin marécageux. J'ai dit que vous vous sentiez suivi. Bon, on se retourne, hein. Qui c'est qui a encore la broche de scorpion? Quoi? Ah non, c'est pas moi, non. Que c'est pas toi. C'est Tichazi qui doit avoir la broche de scorpion. Moi je l'ai pas, c'est sûr. Respective qui a quoi. Moi je l'ai pas, c'est sûr. Allez. T'as pris les pièces, t'as forcément pris la broche. En tout cas, c'est sûr que quelqu'un là. Ouais. On va dire Tichazi là. Moi je l'ai pas noté, hein. Moi j'ai jamais dit que j'avais pris. Hein. Ouais, mais... quelqu'un qui l'a pris, je sais qu'on l'a pris. Bah, parce ouais, qu'on a pris une boîte, je crois, il y avait la broche, il y avait de l'argent dedans, il y avait des pièces. On avait partagé, ouais. Chacun avait pris un truc. Mais toujours est-il, ouais. Inventez-le maintenant, ça n'a pas l'importance qu'il y a la broche. Allez, si vous voulez, je l'ai la broche et je la porte sur ma veste. Tu la sors, c'est ça? Ouais. Et à ce moment-là, t'as un petit lézard qui vient, enfin, un lézard un peu, enfin, un beau petit lézard, quoi, belle dimension, qui surgit un peu de nulle part et qui vient renifler ça. Et puis, il repart dans une direction, il s'arrête, il retourne la tête vers vous. Puis il continue, il avance, il s'arrête, il retourne la tête vers vous. Ah, je le suis. Ouais, on le suit. Et vous le suivez. Et il vous mène à une petite grotte d'où s'échappe une petite fumée. Petite odeur de ragoût comme ça. Et vous sentez aussi surtout l'odeur du métal. Du métal fraîchement poli ou ce genre de choses. Oh yes. Et naturellement, qui habite cette grotte? Un personnage d'une certaine stature. Il vous dépasse tous de deux têtes au moins. Ouais. Il a une énorme capuche, une grande cape avec une grosse capuche. On voit pas sa tête, on voit juste passer un... Peut-être un bout de son nez, c'est même pas sûr. Peut-être son oreille toute pliée. Il est en train de préparer son ragoût. Et qui est entouré de diverses choses, d'étagères avec des objets de toutes sortes, vraiment, il y a de tout, il y a tout est mélangé, il y a des livres, il y a des poignards, il y a des trucs bizarres dans des bocaux, il y a des potions,
y a des bijoux, il y a les fameuses broches scorpions comme vous avez, peut-être pas la même couleur mais la même forme. Il y a des, il y a tout, il y a des petites statuettes, des symboles divins, plein de trucs. Bonjour. Bonjour. Vous l'ermite. Est-ce que j'ai l'air d'un ermite? Un peu quand même. Alors ça doit être moi. Il a un fort accent quand même. Et il parle un peu. Il a comme un feu dans la, un feu sur la langue comme ça. Bon, j'aurais peut-être dû dire bonjour. Pas possible. Oh. Que pouvez-vous faire pour recommander auprès de nous? Et pourquoi donc? Vous aurez des capacités qui se rapprocheraient de certains prêtres de Galana afin de soigner la maladie et restaurer la santé de n'importe qui. J'ai ce genre de choses. D'accord, et ça coûte combien? Ça dépend de vous. Mais vous devez être fatigué. Prenez donc un peu de ce ragoût. Et il vous sert déjà des assiettes. Vous dites, asseyez-vous. Faites comme chez vous. Ben avec plaisir. Ça sent très bon. C'est pas un poulpard, mais... Ouais, ça peut pas être mauvais. Alors, pas de plus en moins. Il s'assied avec vous et il mange. C'est bon. Et vous, vous voyez... Comment ? C'est bon ce qu'on mange, là ? Ah oui, c'est très très bon. Je dirais juste que vous cuisinez mieux que ce que la prophétesse sait faire des tisanes. Prophétesse. Elle qui vous a recommandé à moi. Mm-hmm. C'est ça. Eh ouais. Quelle étrange chose. Elle doit être désespérée. C'est nous qui sommes désespérés. Et vous voyez sa langue qui sort, qui... qui lèche le ragoût. Une langue de serpent. Ou de lézard. Allez, moi, je suis batraque, hein, je prends ça pour un signe de comment, de politesse quand tu manges. Ça dit que c'est bon, quoi. Tu fais pareil. Il lèche le bol. Ah, dégénère. Entre reptiles, on se comprend. Alors, qu'est-ce que vous allez lui dire? Bah oui, de toute façon, finalement, c'est lui. Qu'est-ce que ça coûte, c'est ça? Ouais, voilà. Une vie contre une autre vie. Vous prenez pas l'or? Pas cette fois. Vous avez une préférence pour la vie? Non. Mais... entendez, je ne veux pas une mort. Je veux une vie. Une rune de vie, ça vous va? Non, c'est beaucoup trop commun. J'ai besoin d'une vie. L'un d'entre vous, par exemple. Et ça consiste en quoi de donner sa vie?
conversion. Mais non. Il dit bien une conversion, il y a sa langue qui... Une conversion. Une conversion vers quoi? Le dieu que je sers sera courroucé si j'aide quelqu'un comme cette personne. Alors, je dois l'apaiser. Qui est ce dieu ? Il va me sortir Sid, c'est ça ? C'est ça. Ah. Je me retourne vers Ishazi. Alors, Ishazi, je vais t'expliquer vite fait. On a une prêtresse de regard. C'est pas possible. Oui, ça c'est mort, ouais. T'as un sorcier. Toi, c'est tu pas veux possible. Pas. Okay, c'est que... pour non, c'est pas que je veux pas. Ça. En fait, pour que je puisse, il faut que je c'est sois. C'est bon, j'ai compris. Vas-y. 12 points de magie et 6 en sorcellerie avant de pouvoir accepter une prêtrise. Donc, je ne peux pas. Donc, il ne reste que toi. C'est quoi? C'est juste je deviens croyant de Sith, c'est tout? Tu deviens prêtre de Sith. Tu deviens cultiste. Prêtre, carrément? C'est ça qu'il veut. À lui ou quelqu'un d'autre? Bah, non, mais toi, tu peux pas, sinon tu perds. Enfin, si non, tu mais fais... je veux dire, en dehors de nous trois. Mais on n'a pas le temps. Oh, on prend un pecno du coin. Bah oui, bien sûr. Comme ça, paf, 20 points d'XP, c'est parti. C'est une compétence comme une autre. Dans l'urgence, on va le faire dans l'urgence. Il faut 20 points d'XP en plus pour faire ça. Mais oui, parce que comme ça, monsieur n'a pas besoin de se déplacer. Et c'est le nouveau occultiste qui fera le travail à sa place. Ah, parce qu'il aurait le pouvoir de soigner... Oh, il choisit. Ah, prends oui, tes responsabilités. Si tu peux soigner la prêtresse, bon. Tu peux non, me soigner. Non, pas besoin d'en dire plus. Donnez-moi, je prends. Allez. Ah, il va ramener des bonnes choses dans son village après. Hein. Ah ouais, là c'est bon. Là. Ah, il va là, être content. Mon pèlerinage, il va être content. Ah bah j'ai vendu mon âme. Hein. Le grand Kancha. Oui, j'ai vendu mon âme, mais je te ramène ça. C'est quoi? C'est une épée magique. Et en plus, je suis prêtre de... Bon, je vais pas trop... Prêtre du je pain. Je peux soigner des gens. Vous avez une peine d'amour, je peux vous aider. Je vais devenir voyant là. Ouais, voilà. C'est la deuxième fois que tu convertis tes personnages. Vous allez passer la. Le... Finalement, c'était très tôt le matin. Hein. Vous n'avez pas dormi votre troisième partie de la nuit complètement. Oui. Et vous allez passer le reste de la matinée à pratiquer la conversion au culte de Sith. Avec des bâtons magiques et des wololo. Un grand renfort de statuettes en forme de serpent à multiples bras, tête de cobra et un grand renfort aussi de consommation de tisane. Qui te permettent de transcender ton état, vois-tu, de rencontrer les créatures du monde du plan démoniaque. Intéressant, ça. Tu verras un immense serpent, un gigantesque serpent, tourner autour de toi. Et puis... La conversion se fera dans la douleur, en quelque sorte. Tu recevras le baiser du prêtre. Oh. Comme une morsure. Exactement. Oh. Et puis avant de recevoir cette morsure, il va s'apercevoir que quelqu'un a déjà mordu et... Ah.
Ouais, mais là, j'étais pas d'accord. J'ai remarqué à ton arrêt, ta mort. Ouais. C'était non consenti. Et il va te glisser quand même, méfiance. Je ne peux rien contre ce mal. T'appartiens à toi seul de lutter. Quoi, il me parle du vampirisme ou... Ouais. Dis-lui, il guérit les maladies, pas le vampirisme. Ouais, ouais. Ben, ce n'est qu'une seule morsure, ça va. Maintenant, tu peux mettre un point en prêtrise. Bah ouais. Une autre trace sur le Discord, non? Un instant, est-ce que j'ai déjà un truc de prêtrise là-dedans? C'est magnifique, parce que là, on va vraiment pouvoir le faire en accéléré. Pêche. Okay. Tu es donc devenu prêtre de Sith, tu as rencontré les démons sur le plan démoniaque, une expérience inoubliable, c'est un endroit infernal où tu ne voudrais surtout jamais retourner. Il fait chaud, j'aime pas ça. Il va te confier aussi un pendentif au symbole de Sith. Comment t'écris Sith encore? Sith, S-I-T-H. Et je vais te donner tes pouvoirs divins. Bah, tu en connais déjà deux. Tu sais que tu as le pouvoir de guérir des maladies et des poisons. Ça va ensemble. Guérissons. On va enfin avoir un vrai prêtre, quoi. Attends, je vais noter. C'est drôle. Alors. Oui. Pouvoir divin, guérison... Guérir le poison. Poison. Ok. Et les maladies, c'est cheaté. L'autre. Donc il y a deux autres pouvoirs communs. Mais le pouvoir divin principal, le prodige, vous l'avez déjà vu à l'œuvre, puisque c'est. La malédiction. La malédiction, c'est un pouvoir commun. Un deuxième pouvoir commun que vous connaissez, c'est la malédiction. Ensuite, quand il a sorti aussi des crocs et il a tenté de mordre Peter dans l'auberge quand il était quand c'était enfumé ou ce. Ah ouais. Bah en fait, les prêtres de Sith développent aussi des crocs. Et donc ils peuvent attaquer avec ces crocs. Je me rappelle bien, ils diffusent un poison. Je vais voir. Ouais, c'est pas mal le prêtre de Sith. Hein. C'est un beau petit avantage qui va vraiment vous servir à quelque chose. C'est le maléfice de Sith, voilà. Et dis-lui, il va servir à quelque chose. C'est un poison mortel. Voilà, qu'ils inoculent en mordant leur victime. Donc c'est uniquement quand il invoque le maléfice que le prêtre voit les crocs lui pousser. Et ça se rétracte après un nombre de minutes égal au score de dévotion. Donc la dévotion, ce sera le total de magie. Et c'est vrai qu'il faudra acheter un point de magie aussi. Ce sera le total de magie plus le total de prêtrise. Du coup. Là, t'as zéro en magie. Bah, ouais. Je suis absolument ouais. Zéro de négatif. On aura juste un point de magie. De toute façon, on fera un point sur l'affiche. Ouais. Après le stream. Il y a de l'XP là-dedans. Et donc, en fait, le poison a pour effet donc, de faire perdre à la victime un point d'endurance par jour. Ah ouais, voilà. Quand même. Et il faut une potion de purge pour antidote. Ou le pouvoir dont tu disposes maintenant, quoi, le pouvoir divin. Et... Alors donc, dans les pouvoirs divins, donc comme je disais, il y a neutraliser le poison, la maladie, la malédiction, qui permet donc d'infliger une perte d'endurance égale à ton score de dévotion. De
plus pratique. Et donc le fait de causer ce que subit Peter, quoi. Et ensuite, tu as un pouvoir d'incitation. Ça, l'incitation, c'est rigolo. Si je me rappelle bien, ça permet d'inciter les gens à faire quelque chose. Donc ça... ça je crois que ça les incite à convoiter quelque chose. C'est un peu comme le... comme Tanit. Ouais, je vois exactement de quoi tu parles, ouais. Ah, ça peut être intéressant, ouais. Voilà, incitation. Ah non, c'est pas ça. C'est faire perdre son sang-froid à quelqu'un. Voilà. C'est pas mal aussi. Ça met quelqu'un en colère et elle perd un peu le contrôle de ses émotions. Et c'est le seul pouvoir divin qui peut être contré par un test de chance. Ouais, mais c'est bien. C'est un beau trio. Là, on est beau parce qu'on en a un qui a la compétence science interdite et l'autre qui a la prêtrise de Sith. C'est beau quand même. Et à moitié vampire. Bravo. À deux tiers pour certains, parce qu'ils ont été mordus deux fois pendant cette nuit-ci. Du coup, la magie, on considère que j'ai un de base maintenant. Le point de base ? La magie, on considère que j'ai un. Ah, ils doivent mettre un point en magie, en fait, ouais. Pour acheter le point de magie, oui, ça coûte 15 points. Ouais, bah, on va voir ça après. Je verrai ça quand on aura de l'XP. Ouais. Ben voilà, je pense qu'on peut conclure en disant que maintenant que vous êtes porteur vous-même du pouvoir, vous pouvez revenir on fera rapidement quand on aura le temps si vous voulez acheter quelque chose à la lézardine ou quoi, parce qu'elle a quand même des objets magiques, ouais. On fera ça en flashback, quoi, y a pas de problème, ouais. Okay. Ici c'est pour accélérer. Je suppose que vous allez revenir Dardar auprès de la prêtresse d'Almor et la guérir, quoi. Ouais. Ouais. Bah, après tout ce sacrifice, ce serait quand même vachement dégueulasse de ma part de dire qu'elle est morte sur le Mais c'est vous le avez... On va lancer un dé. Je reviens, je reviens, elle est morte, quoi. Mais je suis prêtre, j'ai la classe. C'est ça, quoi. Maintenant, je suis prêtre. Tu lui prodigueras les soins nécessaires et elle guérira. Elle guérira. Elle reprendra l'appétit et après, ce ne sera qu'une question de temps avant qu'elle reprenne toutes ses forces et qu'elle puisse endosser à nouveau son rôle de prêtresse d'Almor, rebâtir le temple et le culte. Et vous avez ainsi une grande prêtresse qui va pouvoir ôter la malédiction dont souffre Peter. Alléluia. Seulement sur un jet de chance de Peter. On termine enfin sur une bonne note. C'est beau, non ? C'est vrai. Ouais. Bon bah du coup, merci à tout le monde. Hein, bonne nuit, bonne fin de soirée les gens, et puis à la semaine prochaine pour une... Fête, bla bla bla. Bon, on se verra avant les fêtes, hein, du coup. Oui, mais quand prochaine. Même, ça fait plaisir de le dire. Ouais, bonne préfète. Allez, des bisous tout le monde. Bisous. Ciao, bonne nuit, bisous. Salut, merci.